Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le parcours artisan pour cette quatrième édition du World Forum avec pour thématique cette année Save the Last Chance. Je suis à cofondatrice de Sublimeur, donc Sublimeur c'est un réseau de gastronomie durable des Hauts-de-France qui accompagne une centaine de partenaires et d'acteurs de la gastronomie dans leur rayonnement. Euh, nous prenons plaisir grâce à notre équipe d'accompagner ces acteurs euh, de la gastronomie et des métiers de bouche dans leur communication en les orientant vers les nouvelles tendances de la gastronomie responsable. C'est avec euh, une petite émotion, je l'avoue, que j'accueille aujourd'hui quatre grands chefs d'entreprise du réseau Sublimeur que j'ai choisi pour leur engagement, pour leur histoire, pour euh, la qualité de leur savoir-faire. Cette ces entreprises engagées sur leur territoire font figure d'exemple localement pour euh, les chefs d'entreprise, les artisans, les producteurs et les jeunes entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui en direct. Donc, messieurs, je vous remercie euh, très sincèrement tous les quatre d'être venus euh, au cœur de cette magnifique bibliothèque euh, de la CCI Grand-Lille pour échanger sur l'engagement responsable de vos entreprises respectives que notre agence a le plaisir d'accompagner. Donc, l'objectif de cet atelier et de présenter comment vos entreprises, parfois centenaires, ont su innover, se transformer, pour répondre aux attentes de vos clients, toujours plus exigeants et de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, nous avons autour de cette table assez de savoir-faire pour tenir un repas entier. Vous allez le comprendre tout de suite. Donc, je vous présente Nicolas Castelin pour l'apéritif. Pour le plat, Philippe Romantin, des établissements JC David. Pour le fromage, Roman Olivier de Fromage Philippe Olivier. Et pour le café, Pierre Sénéchal de Café Méo. Messieurs, je vais vous laisser la parole maintenant pour vous présenter euh, un à un, nous expliquer votre savoir-faire et depuis combien de temps vous travaillez dans vos entreprises. Alors, j'ai l'honneur d'ouvrir le bal. Merci à l'autre déjà de nous accueillir sur une thématique qui est quand même très sympathique aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup des entreprises agroalimentaires. Il y a beaucoup autour de l'agroalimentaire. Euh, un genre de, 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 de bashing finalement, de foot bashing et c'est intéressant aujourd'hui de pouvoir remettre à l'honneur le savoir-faire, je pense, des, des producteurs que nous sommes, régionaux qui plus est. Euh, donc je suis Nicolas Castelin, je, re, je suis le dirigeant et je, suis la, je représente la troisième génération de, de la brasserie Castelin. Donc, Mes, mes grands-parents effectivement démarré une activité de, de brassage il y, a, il y a plus de 90 ans maintenant. Et aujourd'hui, bah, cette entreprise se perpétue, se réinvente au, au fil des générations, écrit des chapitres à son histoire pour euh, finalement aujourd'hui revendiquer un savoir-faire dans les bières de spécialité. On a un superbe métier, euh, c'est de transformer des matières agricoles, c'est un métier noble, de sélectionner ces matières agricoles, et d'en faire un produit, une bière, un produit de convivialité, de partage. Finalement, on a une chaîne merveilleuse dans notre métier, puisqu'on va du champ au verre, et en, avec le verre, on, on a la rencontre de nos clients, on a la rencontre de nos consommateurs, et on est finalement dans un métier d'émotion. Et c'est ça aujourd'hui qui est intéressant dans cette notion de développement et d'économie durable, de pouvoir discuter de l'émotion, en tout cas ça sera... Mal. Mathématiques euh, autour de mes échanges, parce que je pense que c'est l'émotion qui change, euh, qui peut changer les choses, qui porte l'énergie et qui met en mouvement finalement les équipes de la brasserie Castelin à évoluer, à s'adapter et à répondre aux besoins des consommateurs aujourd'hui. Notre savoir-faire, il est dans ces bières de spécialité, dans ces moments de partage. Voilà en quelques mots. Depuis combien de temps vous êtes dans cette entreprise je pense que depuis ma naissance, je, je porte des gènes en moi, en fait, finalement. Donc, mais euh, j'y travaille euh, de manière opérationnelle depuis 13 ans. Bonjour à l'autre, bonjour à tous. Alors moi, je n'ai pas la chance, comme Nicolas, d'être né dans l'entreprise que je dirige aujourd'hui. Euh, tout simplement, c'est une entreprise que j'ai rencontrée il y a... 4 cinq ans, euh, j'étais dans un tout autre univers et je souhaitais reprendre une entreprise et je souhaitais euh, avoir un, un, un challenge à la hauteur de, des, des 15 années professionnelles que j'ai devant moi. Et je suis tombé sur cette entreprise qui est pleine d'histoire, qui est extrêmement exigeante par rapport à, à, à l'environnement, aux produits, et ainsi de suite. Et euh, voilà, tout, tout simplement, bah, ça, ça a matché. Et aujourd'hui, euh, je, je suis l'heureux dirigeant hein, de cette entreprise qui fume du poisson à l'ancienne. Hein, on est les derniers à, à fumer. Euh, j Très, très simplement, c'est co comme autrefois, hein, comme nos ancêtres le faisaient, euh, du, du poisson, du hareng, du haddock, euh, sur le port de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France. Euh, voilà, et donc cette aventure, ça fait maintenant trois ans que je, que je, la, je la préside. Et, et voilà, il y a ple plein d'enjeux de, plein de, devant nous, hein, parce que c'est pas tout de reprendre une entreprise comme ça, quelque part de se faire avant tout de se faire plaisir, parce qu'on a besoin de se faire plaisir, mais c'est aussi de s'engager vis-à-vis euh, -vis de ses collaborateurs, parce que ce n'est pas, pas anodin d'arriver face à une cinquantaine de personnes, de leur dire, ben bah voilà, je suis votre nouveau patron, je n'y connais rien, maintenant c'est à, à nous d'écrire l'histoire des, des 15 années à venir. Et il faut beaucoup de passion, il faut savoir aussi prendre de la hauteur sur plein de sujets, parce que tout nous tombe dessus. Euh comme ça, ça arrive, le Covid, autre chose. Enfin voilà, c'est un sans cesse renouvellement et cette, cette prise d'auteur, c'est extrêmement important parce qu'on est, on, on est le, le point euh, co commun avec tous nos engagements de demain et effectivement c est, c est, ces engagements pour une économie responsable euh, c'est au patron de l'avoir, de la, de, la de, la, de, de, la, de la porter et voilà c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors on a besoin d'être conseillé hein, parce que c'est pas Facile de voir le coup, coup d'après, c'est encore moins facile de pouvoir l'exprimer, le, hein, de communiquer ce qu'on fait parce que c'est c'est comme monsieur Jourdain, bah, il faut qu'on le fasse tous les jours soi-même et après euh, bah, c'est aux autres de nous, de nous dire bah, voilà ce que tu fais, c'est pas mal, il faudrait peut-être que tu l'exprimes et voilà. Euh, je, je On en reparlera voilà. tout à l'heure, c'est hyper intéressant sur les collaborateurs et euh, tout à fait. Merci. Bonjour à toutes et tous, heureux d'être euh, autour de la table, évidemment. Euh, Romain Olivier, artisan, affineur de fromage depuis quatre générations pour ma part. L'aventure démarre en 1907 euh, en Normandie. Euh, le droit des passe par là et, et mon grand-père migre un petit peu, mais reste en Normandie. Papa euh, arrive à Boulogne-sur-Mer en, en décembre 1974. Dès le départ, cette volonté de faire de l'affinage de fromage, ce métier... Euh, qu'on ose parfois dire, et j'assume de le dire, un peu en voie de disparition, on demande de plus en plus à des producteurs de fromage en amont de faire ce métier d'affineur, c'est-à-dire d'apporter des soins qui vont développer les goûts et les arômes. Et tout ce, tout ce travail, eh bien on le perpétue familialement, c'est toujours fait à la main, on a toujours ce respect. Euh, moi, je suis arrivé dans l'entreprise en, en 2004, euh, avec, avec vraiment cette, cette volonté de, de poursuivre ce, ce, ce beau défi, parce que c'est une aventure humaine avant tout. Qu'en amont de tout ça, on a, on a, on a évidemment des, des producteurs qui, eux, doivent vivre correctement, euh, passer des, des bons moments, gagner leur vie à partir du travail qui est le leur. Euh, le monde de la filière laitière connaît des hauts, des bas, des yo-yo, et des ça va et ça va moins bien. Mais on n'aura pas de bon fromage demain sur nos tables si on n'a pas de bons producteurs en amont à nous, à partir d'une matière première exceptionnelle, d'en faire des très bons fromages à travers ces soins qu'on va essayer d'apporter. Et c'est euh, tout le plaisir qui, qui nous anime humainement, parce que sans les uns et les autres, sans les hommes et les femmes de cette belle filière, on ne ferait pas grand-chose. Euh, merci. Euh, bonjour à tout le monde, très content d'être là, merci à l'autre de nous avoir invités. Donc moi, je suis Pierre Sénéchal. Euh, troisième génération aussi, euh, d'une entreprise familiale qui a maintenant, euh, bah, qui a fêté ses 90 ans en 2008. Bon, ça fait 30 ans que je suis euh, dans la boîte. Euh, et disons que, pour rejoindre ce que disait Nicolas, effectivement, euh, d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que les fondateurs qui étaient Jules et Émile Méoxon, euh, Jules, entre autres, qui est mon grand-père, a toujours aimé la bière et tu parlais de la terre au vert, et là, nous, on parle souvent de la terre aussi à la tasse. Donc, en fait, on a les mêmes rapports, finalement, entre la bière et le café. Toi, c'est les céréales, nous, c'est le café, et c'est une matière agricole très intéressante, que l'on trouve, évidemment, dans le monde entier, dans tous les continents, autour de la ceinture équatoriale, et tout ça, ça fait rêver. Il ne faut pas oublier que le café, c'est quand même la deuxième matière. En valeur qui est la plus importante, appelle Prétorol, ce qui n'est pas rien quand même. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Allô, je te laisse la parole. Merci Pierre. On comprend que la qualité euh, de vos produits, des matières que vous choisissez sont au cœur de votre stratégie d'entreprise. De la qualité d'abord, il hein, y en a qui ont, font même euh, leur. Euh leur punchline. Est-ce que vous pouvez m'expliquer plus en profondeur pourquoi vous êtes différenciant, pourquoi vous faites un produit qualitatif par rapport aux autres, par rapport peut-être à vos confrères, à vos concurrents Qu'est-ce qui vous différencie des autres Je sais que parfois vous avez des savoir-faire qui sont vraiment ancrés sur le territoire, qui sont peut-être liés à un process qui fait sur le territoire. Alors, je, je prends la parole comme ça, de façon un peu directive, euh, puisque la qualité, d'abord, effectivement, c'est dans le logo de J.C. David. David euh, Au-delà au de, de, de chercher de la qualité par rapport aux autres, euh, je pense, et, et c'est sur la, la partie euh, économie responsable, c'est très important, déjà, de le faire par rapport à soi-même. Il hein, euh, faut qu'on... Ce que je disais rapidement tout à l'heure, il faut, faut qu'on soit avant tout convaincu de ce que l'on, ce que l'on veut faire. Alors bien sûr, on s'inscrit dans un écosystème avec des concurrents, avec des, des sociétés plus, plus grandes, plus fortes, plus belles que, que la nôtre, mais. Euh, je pense que c'est pas en regardant. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas ce que sera notre avenir à tous. Hein, euh, Est-ce que c'est the, the last chance hein, je, je, je ne sais pas. Je suis peut-être un petit peu plus optimiste que ça. Mais euh, voilà, on, on sait pas. Euh, on ne sait pas ce que l'avenir la, nous réserve. Et c'est plus en, en, est, en étant meilleur par rapport à soi-même. Que plutôt qu'être meilleur par rapport aux petits copains, je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera tous hein, et c'est comme ça qu'on poussera un petit peu les murs euh, parce qu'on aura de bonnes idées euh, une, une séance comme celle d'aujourd'hui bah ça permet aussi d'échanger de, de, entre nous, entre dirigeants parce qu'on a, on a besoin de, de pouvoir se, se, se dire quelles sont les bonnes pratiques hein, qui sont faites à, dro à droite et à gauche mais voilà c'est vraiment aller, aller chercher la qualité au, au delà de ce qu'on qu pense qu voilà, et c'est se remettre en cause en permanence, en permanence. Alors j'ai beaucoup de chance, comme je ne viens absolument pas de ce secteur, c'est très facile pour moi de me remettre en cause parce que je ne connais rien. voilà Mais voilà, c'est d'aller chercher le coup, le coup d'après et en se disant, bah, le, la qualité, l'excellence, bah, elle est où Et si on peut régler un tout petit peu euh, tel paramètre ou tel autre, euh, c'est comme ça qu'on y arrivera, c'est comme ça qu'on sera encore meilleur. Et bah, voilà, si on est encore meilleur que les concurrents, bah, c'est encore mieux. voilà Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe dans les, dans le sous-sol de ton entreprise alors, il, il se passe dans, dans les sous-sols de, de JC David ce qui se passe depuis euh, 100 ans à l'époque euh, sur le, la zone de Capécure, le port de Boulogne. Euh, il y avait une centaine d'entreprises qui fumaient du poisson. Hein, avec, euh, un, un, à l'origine, on, on salait et on fumait le poisson pour conserver, hein, le conserver. À l'intérieur du poisson, c'est le sel. Euh, le, le fumage donne une petite couche protectrice. Euh, ça permettait de conserver euh, une denrée qui est délicate euh, et on pouvait. Euh, se ce poisson pouvait être euh, euh, et, enfin, exporté, enfin, emmené très très loin du, de, 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 des, des ports. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on enfin, euh, tout ça ça s'est transformé, le plastique est arrivé. Hein. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien euh, Je qu'on peut répondre oui aux deux questions. Voilà. Mais le, le, c est, c est, cette méthode de conservation aujourd'hui, c'est avant tout, on travaille sur le goût des produits. Hein, euh, quand on parle de poisson fumé, c'est avant tout pour le goût. Euh, voilà. Donc, dans, dans les caves, pour reprendre ta question, <laughs> dans les caves de JC David, euh, donc on fait nous-mêmes des copeaux, on achète du bois dans, en forêt de Hédin, enfin, dans une forêt qui est à une vingtaine de kilomètres de, 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 de Boulogne. On fait nous-mêmes nos copeaux parce que la qualité, ça commence au niveau de la qualité de la fumée. Hein. C'est-à-dire que pour avoir une bonne fumée, pour faire des bons poissons fumés. Il faut qu'on ait un bon bois, donc en l'occurrence du bois de chêne, eh, que l'on fait sécher nous-mêmes, qu'on le met en coupe nous-mêmes, hein, parce que là aussi, il faut être sûr de la qualité. Et voilà, et après, euh, on a des maîtres fumeurs qui, qui allument ces feux, et ensuite, c'est le temps. Hein. Globalement, mais 24 heures pour fumer des poissons. On est à l'inverse de tout ce qui peut se faire. Hein, plus vite, moins cher. Plus vite, moins cher. Nous, c'est plus, plus lentement. Je dirais pas plus cher, mais, mais je le pense très fort. Mais voilà, c'est vraiment de se donner du temps parce que la qualité. Euh, Romain dira pas le contraire. Hein, un, un, un bon fromage qui a plein de qualités, plein de bestioles dessus, mais plein de qualités. Bah, il, il, il doit. Enfin, ça se fait pas. On peut pas accélérer la, On peut pas accélérer la nature. Hein, c'est et c'est pareil pour toi, pour, le, pour la brasserie aussi. Donc, euh, donc voilà, c'est beaucoup beaucoup de temps et, et on n'a pas réinventé l'eau chaude, hein, on a la chance et c'est ce qui m'a plu quand j'ai repris cette entreprise, c'est de se dire, bah voilà, no, nos ancêtres, ils travaillaient très très bien. et euh, Continuons, enfin, œuvrons pour pouvoir continuer ces, ces traditions qui, au-delà de la tradition, de la belle, de la belle, carte, la belle carte postale, c'est avant tout, et c'est nos, nos clients qui nous le disent, les chefs qui utilisent nos produits, qui nous le disent, euh, les produits sont exceptionnels. Donc, euh, nos, nos ancêtres faisaient des choses très, très bien. Continuons. Comme tu le dis très bien, c'est une histoire de goût, et c'est ce qu'on retrouve chez toi, Romain. Donc, euh, vous êtes aussi voisins. Hein de, de quelques kilomètres à Boulogne, et toi aussi, oh, c'est. Ce passe... D'une rue. On est voisin d'une rue. Voisin d'une rue, et effectivement, cette, cette notion de temps, elle est, elle, elle est au rendez-vous. Dans l'affinage du fromage, le plus vite moins cher, c'est tout, ce tout ce dont on n'accepte pas. C'est tout ce qu'on n'accepte pas, c'est ce vers quoi on se bat, c'est de laisser le temps au temps. Il y a dans les fromages, dans toute cette diversité liée. En amont et pour avoir de la qualité, on a une multitude de critères euh, territoriaux évidemment euh, et on va le retrouver dans, 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 différentes, euh, dans, dans différents produits alimentaires, mais, mais dans le fromage, le territoire évidemment rendez-vous, le climat, le temps. Est-ce qu'il a fait beau, pas beau Est-ce qu'on est sur le bon versant Est-ce qu'il est ensoleillé Est-ce qu'il est à l'ombre Est-ce que celui qui transforme au moment du fromage, il a bien respecté tout ce qu'il fallait respecter Est-ce qu'on a travaillé du vivant et donc un lait cru ou est-ce qu'on a travaillé du mort et on a pris un lait pasteurisé tout ça amène une diversité et c'est cette diversité que l'affineur derrière bah, se doit euh, déjà de conserver et de respecter. Il y a un enjeu de respect dans cette notion de qualité euh, parce qu'en amont, il faut, euh, il faut du très bon pour faire du bon. Euh, c'est un, un vieil adage qu'on essaie d'appliquer tous les matins et laissons le temps au temps. Euh, L'affinage d'un fromage en fonction de son format, de son type euh, est spécifique. Souvent, là, une des questions qu'on nous pose c'est... Euh, Combien de temps il faut pour faire un bon fromage Bah finalement avec 350 variétés différentes, j'ai envie de vous dire il y a 350 réponses. Bon et, et si c'était si simple ça serait. Et finalement ce temps va être aussi nécessaire, presque dans une logique d'infusion, euh, puisqu'on a, euh, on, on a à travers les caves d'affinage euh, des milieux microbiens. C'est souvent mal connu, mais des milieux microbiens qui sont particuliers. Alors certes qu'on va euh, travailler, manipuler, bousculer un petit peu par des températures, par de l'hygrométrie, mais on a avant tout les souches microbiennes de chacun des producteurs qui viennent constituer une ambiance de cave, une ambiance singulière. Elle n'existe finalement qu'à l'équilibre de cette signature qui est ce tour de main de l'affineur. Ce, ce, ce tour de main, on le perpétue et on essaye de le partager avec des équipes qui, pour nous, sont là parfois depuis plus de 30 ans. Et c'est aussi ça qui est essentiel pas être tous les deux de votre équipe, donc on sent que c'est vraiment lié avec le savoir-faire. Ils sont maîtres, enfin voilà, ils sont... Euh... C est, c est, on, on est certainement un peu tous sur des, des, des transmissions de savoir-faire qui sont principalement verbales et orales. Euh, certes, on a de la norme, notamment réglementaire, qui nous impose depuis 50 ans d'en écrire de plus en plus, mais on est tous aussi conscients... Que tout ce qu'on écrit, c'est une base, c'est une, une structure finalement de base, mais ça ne fait pas l'essentiel. Les, pour faire très euh, et essayer d'être un peu plus clair et illustré, on vient de passer un été complètement sec, avec une sécheresse absolument euh, catastrophique, où on a à peu près divisé parfois par deux pour certaines appellations de fromage, les volumes. Et honnêtement, on a des fromages sur certaines variétés, où pour notre part, on va devoir garder quatre, cinq, six, sept semaines de plus que ce qu'on devait faire d'habitude. Alors, cette semaine de plus vis-à-vis -vis de quoi bah, D'habitude, on les a trois à quatre semaines, et là, on est en train de se dire qu'on va presque les avoir euh, deux mois et demi en cave. Euh, ça change grandement l'histoire et les choses, et, et ça, ça, ne se, ça peut se mettre dans tous les manuels qualité HACCP qu'on aura envie. Ça ne réglera pas notre enjeu gustatif, parce que c'est avant tout le goût qui va nous intéresser, et il n'y a que l'expérience qui va nous faire la différence. On reviendra après à ces sujets de transmission. Euh, je vais juste laisser la parole à Nicolas ou Pierre pour euh, vous nous expliquer voilà, comment, euh, comment, voilà, comment faire un. Ils se battent. Merci, non, on va pas, <laughs> on va se battre. On Mais c'est ces enjeux là c'est un savoir-faire qui est vraiment attaché au territoire. Alors déjà, je vais dire que je me retrouve assez bien dans, dans ce qu'a dit Philippe et Romain, c'est-à-dire que la matière doit pouvoir s'exprimer. Et notre métier, c'est finalement de laisser la matière s'exprimer le plus doucement possible et le plus sûrement possible. L'adage est toujours juste, avec du très bon, on peut faire du bon. L'inverse n'est absolument pas vrai. Donc, on doit effectivement garder ça le plus possible et dénaturer le moins possible. Les savoir-faire pour faire la transition sont indispensables. Le métier, le geste métier pour respecter ce produit s'acquiert avec le temps. Pourquoi on a un savoir-faire à la brasserie Kesselin Pourquoi on a une expérience Parce qu'on a... Au cours de nos décennies d'existence, bah on a des, eu des réussites et on a eu des échecs. Ces échecs sont source de progrès. Ils nous ont appris à comprendre ce qui n'était pas palpable dès le démarrage et qui aujourd'hui nous permettent de maîtriser... Euh, finalement la fermentation puisque pour faire de la bière il faut fermenter un jus de céréales à la base euh, et qu'on va houblonner pour agrémenter les parfums et l'amertume de euh, manière très schématique hein, mais, mais ça donne un peu la, la, la danse donc pour arriver à ce savoir-faire, pour arriver à cet équilibre, pour arriver finalement à une, une certaine subtilité du goût qui est assez volatile et qui n'est pas équilibrée d'un point de vue euh, consommateur d'un point de vue client, chacun a des profils aromatiques qui vont lui plaire ou pas lui plaire. Et donc ce savoir-faire, en fait, ben ça se cultive, ça s'appelle ça, ça la passion en général, ça c'est le moteur de, de l'acquisition des gestes, qui sont des gestes parfois ancestraux. Euh, la science nous aide à mieux comprendre, plus on avance, ben plus la science nous aide à comprendre. Mais finalement, euh, on le voit bien avec la, la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, la science n'a pas la solution à tout. Et l'humilité dans des entreprises agroalimentaires comme les nôtres doit être euh, finalement une des clés euh, qui nous oblige à, à revivre finalement la production suivante comme la première, euh, avec le même doute, avec la même crainte de ne pas y arriver. Et c'est ça qui va nous faire... Ben, Personnellement, en tout cas, c'est mon moteur qui va me permettre de, de me dire, demain, je vais réussir à faire encore quelque chose de mieux, parce que je doute toujours un petit peu de ma compétence et je ne suis jamais arrivé, finalement. Et quand je ne suis jamais arrivé, eh j'ai toujours à apprendre. Et, et dans l'entreprise, finalement, on a, plusieurs, on a plusieurs gestes métiers au travers de l'infusion, au travers de la garde. Donc l'infusion, c'est comment on va finalement extraire ce que la céréale a à nous donner. Donc nous, on a un process qui est un procédé de, de fabrication qui est très ancien, qui est le principe le plus doux possible pour extraire ce qu'une céréale peut nous donner. On fait une infusion, c'est-à-dire qu'on on, on vient baigner la céréale, la mouture de céréales dans de l'eau chaude et on va à différents paliers de température et on va en extraire ce qu'elle peut nous donner de meilleur en termes de couleur, en termes d'arômes. Et ensuite, notre métier, ce sera de garder ces arômes, cet impact organoleptique pour pouvoir satisfaire et donner un moment de convivialité, de partage à nos, à nos, à nos consommateurs, à nos clients. Voilà un petit peu le, comment je vois les, le savoir-faire et les gestes métiers au sein de la brasserie? Alors, chez Meo par rapport à, enfin, le café c'est un petit peu plus simple quand même. Vous avez des contraintes qui sont sur des produits très vivants. Bon, le café est une céréale certes mais on la transforme, on la cuit à des températures assez élevées, pour arriver à une qualité, justement, et à une cible organoleptique qui est visée d'abord. Mais euh, bon, le travail du torréfacteur réside aussi dans l'assemblage. Toujours restituer le goût d'une origine pure, c'est assez simple, quelque part. Tous nos confrères ou d'autres artisans savent très bien le faire. On achète un javelin tung, on sait à peu près le profil de torréfaction qu'il faudra appliquer pour révéler ses meilleurs arômes. Maintenant, nous, notre travail, c'est dans l'assemblage. Et ça, je vois qu'on a tous beaucoup d'humilité là-dedans, parce que, bon, presque séculaire, mais on se remet toujours en cause. Et humilité, et surtout aussi curiosité de ce qui va se passer demain. Ne pas toujours s'asseoir sur cette expérience qui est parfois ennuyeuse pour les jeunes générations. L'expérience, finalement, où, bon, ça ne sert qu'à celui qui l'a, mais pas forcément aux jeunes. Et, et je pense que cette curiosité, dans tous les métiers, euh, surtout les nôtres, qui sont vraiment très intéressants, euh, parce qu'on manipule des produits vivants. Euh, elle, est, elle est vraiment euh, importante et, et elle nous donne de la passion. Et, et toujours se, se renseigner de ce que font nos concurrents, de ce qui se passe à travers le monde. Le café nous amène à voyager dans le monde entier, évidemment, parce que la matière, elle est ailleurs. Donc voilà, je voulais, je voulais surtout euh, insister là-dessus. Et c'est vrai qu'on est des passionnés et, et curieux de nature. Comment tu fais justement pour transmettre cette passion Comme tu l'as dit, tu as enfoncé une porte ouverte aux jeunes générations qui arrivent chez toi qui ne comprennent pas forcément euh, l'expérience et l'expertise que tu as euh, dans ton produit. Comment tu fais pour leur transmettre ça, pour être sûr que le jour où tu devras partir de l'entreprise, <laughs> parce qu'un jour ça va oui. arriver à tous, oui, comment alors, on fait pour fait, transmettre et pour faire perdurer le ben, savoir-faire J'essaie, c'est justement, comme tu disais, un peu d'émotion, parce qu'on rentre souvent euh, par le produit, par des recettes pour le vendre. La distribution, on est quand même des industriels, il ne faut pas le cacher. Mais tout l'héritage vient d'abord d'avoir fondé un réseau de boutiques indépendants de torréfaction artisanale, et on a toujours gardé ça dans, dans nos gènes. Donc on, on perpétue. Et euh, les jeunes maintenant, ils ont tendance à appliquer, euh, je dirais, des recettes toutes faites, euh, et, et il manque parfois d'intérêt pour le produit. Euh, je m'explique. Euh, si tu veux vendre bien une bière, je crois qu'avant de commencer par vouloir la vendre, il faut commencer à comprendre ce qu'il y a dedans et comment on le fait. Et, et ça, je pense que ça nourrit véritablement le produit et ça lui donne de la consistance aussi, et non seulement au produit, mais à la marque. Ça donne une belle image de marque. On ne vend plus que des produits, maintenant on vend aussi une marque et on s'attache à cette marque. Et c'est aussi une réassurance pour le consommateur, je crois. Parce que tu nous disais que toi, tout à l'heure, que c'était pas écrit dans les manuels, les savoir-faire. Comment tu fais pour transmettre chez toi Eh bien, on passe du temps. On perpétue aujourd'hui une transmission orale. Euh, on accueille, on cherche évidemment euh, des, des collaborateurs, des collaboratrices qui ont une appétence pour le produit. Ça a l'air bête, mais on a parfois des, des surprises dans nos, dans nos candidatures. On a tellement l'habitude et tellement, ça nous paraît tellement évident que pour pouvoir. Euh, euh, être passionné dans le café, dans la bière, dans le poisson ou dans le fromage, euh, quand on a au bout de deux jours quelqu'un qui me dit en fait j'aime pas du tout et, euh, et ça me pose un problème quand je rentre à la maison parce qu'il y a l'odeur qui traîne euh, bah, c est, c est, c est, bon, effectivement on s'est pas compris, on, on a oublié la question de base donc aujourd'hui on, on s'impose de la poser déjà et puis ensuite on va euh, partager, c'est du partage c'est euh, euh, de l'humilité alors il euh, y, y a notamment des enjeux de digitalisation, c'est d'en parler autrement euh, on, était, on est dans un monde qui va beaucoup plus vite, on le disait, et on est en même temps des gardiens du temps. Donc le temps de la formation, il doit être au rendez-vous. Le temps de l'explication doit être au rendez-vous. Euh, on s'aperçoit aussi que quand on dit juste, il euh, bah, y a tout dans le manuel, là, vous avez plus qu'à le lire, 9 fois sur 10, il n'est pas lu, et quand il a été ouvert, déjà, on applaudit des deux mains. Donc c'est évidemment par, euh, par de l'échange et du partage qu'on s'amuse et qu'on prend plaisir. Et c'est finalement... Euh, les vieilles recettes, on disait tout à l'heure, les vieilles méthodes, en fait nos ancêtres, ils faisaient exactement pareil. Hein. Ils prenaient le temps d'expliquer au petit nouveau l'apprentissage, l'alternance. On a l'impression que c'est la panacée du, du moment, mais en fait on réinvente juste ce qui était le compagnonnage, qui était tout, tous ces enjeux de partage et, et d'explication. On parlait tout à l'heure de, de, de l'expérience des, des générations précédentes, des, des dizaines d'années auparavant. J'aime bien rappeler aux équipes que, c est, c est, citation maintenant bien, bien connue de Mandela, qui dit qu'il perd jamais, soit il gagne, soit il apprend. Eh bien, euh, ayons cette, euh, cette posture-là, essayons de l'avoir euh, tous et d'avoir cette humilité, de ne pas dire je sais, mais de dire je découvre et, euh, et j'apprends. Et, et ce que je sais aujourd'hui, euh, bah c'est ce que je saurai un peu plus pour demain. Mais je sais que je ne sais rien, surtout. Ouais, je perçois en vous quatre que vous mettez en con, en continuel le euh, voilà que vous reposez toujours des questions que vous allez que vous essayez d'aller toujours plus loin euh, on parle de vos ambitions tout à l'heure euh, philippe je reviens juste sur le sujet tout à l'heure tu as, as dit maître fumeur si je ne me trompe pas oui, oui. Que... On, on a alors <coughs> pour, pour, pour fumer pour savoir fumer effectivement c'est c'est très empirique comme métier euh, donc on, on a 3 euh, mètres fumeurs parce qu'un mètre fumeur ça travaille 6 jours par semaine il faut il comme, euh, euh, on n'arrête on pas les fumoirs donc il faut, faut, être là, faut être là tout le temps donc ça, ça prend pour, euh, pour une production on peut pas être à moins de 3 de, mètres fumeurs euh, et, et ben, euh, ces gens là vieillissent hein, comme tu le disais tout à l'heure la, la, la roue tourne pour nous, pour, les, pour eux aussi et euh, c'est un métier qui est extrêmement dur à apprendre. Bon, on est sur un port, on, on est plutôt, on a plutôt des, des gens marins, hein, on est avec des, du poisson. Néanmoins, euh, là, on travaille du bois. Et on s'aperçoit que les, les les gens qui réussissent bien dans cette dans cette fonction, c'est plus des terriens que des que des, que, des, que des marins, hein, parce que c'est on est on est enfin on revient encore une fois, hein, c'est c'est l'essence intrinsèque, c'est très pro, très profond comme 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 réaction. Bah, il faut être il faut faire attention à la météo, euh, faut faut anticiper un certain nombre de, de choses. Et ce qui est amusant, c'est dans les dans les jeunes maîtres fumeurs qu'on a qu'on a formés il y en a notamment je pense notamment à deux il y en a un qui écrit tout et un qui veut c'est le bon élève là. dès qu'on lui donne un conseil il écrit il a un cahier avec plein de plein de plein de notes et un autre qui à l'inverse n'écrit rien du tout et il est complètement sur le ressenti et je ne dis pas quel est le meilleur. donc Celui qui arrive le matin et qui, qui connaît la météo, qui sait que avec telle marée, ça va souffler et que voilà ça, ça, ça tirera bien quand il fait trop chaud. L'été dernier, ben, le, réchauffement, le réchauffement climatique, a, même à Boulogne, a, a, on a eu des températures au-delà au de 30 degrés. C'est dramatique pour nous hein, parce qu'on fume à froid. Donc euh, on ne doit pas dépasser les 22-23 degrés. Donc on a Dû arrêter la production à certaines heures de la journée parce que c'est c'est pas possible. Hein voilà et, et, et tout ça c'est on peut pas se bagarrer contre ça. On doit, on doit le vivre. On doit accompagner nos, nos collaborateurs dans ces dans ces formations et aucune formation n'existera et même si elle existe un jour, euh, elle sera obsolète euh, d'emblée. Voilà. Je, je reviens, je me permets de revenir un peu sur, les, sur la sur la, la formation et comment enfin. Comment nos jeunes, hein, parce que c'est notre avenir, c'est nos jeunes. Comment comment on les forme euh, Nous, on a mis en place depuis deux ans dans l'entreprise euh, un, un cursus de polyvalence, c'est-à-dire qu'on recrute en permanence, d'ailleurs tous ceux qui veulent venir seront les bienvenus. Euh, et on recrute les, des, des collaborateurs hein, des, dans les ateliers euh, pour une, une tâche en particulier, parce qu'à un instant T, on a besoin d'une ressource. voilà Mais euh, on leur dit, euh, voilà la, la tâche que vous avez aujourd'hui, il ben, y a plein d'autres tâches dans l'entreprise qui peuvent vous intéresser. Et j'insiste sur le mot euh, vous intéresser. Et si vous avez envie et là aussi l'envie est très, très importante, ben, on, peut, on peut vous former. C'est-à-dire que c'est une formation sur le tas, c'est-à-dire que quand vous avez fini votre, votre tâche, ben, si vous savez que les collègues d'à côté... Euh, ont besoin de vous sont un peu à la bourre par rapport à une production allez-y et alors les, les jeunes euh, sont intéressés, intéressés aussi par l'argent donc on, on a une prime enfin on peut on peut acquérir tous les ans deux de, de compétences hein, euh, particulières et, et on s'aperçoit que c'est ça devient un peu hein, c'est un jeu c'est il y a un intérêt financier hein, bien sûr mais c'est aussi euh, ça fait partie du, du, du management de l'entreprise d'aller d'aller pousser les gens à aller à, à le chercher le coup d'après et, et je peux te dire que que ça marche très très bien, euh, donc on, on, on limite parce qu'il faut, faut quand même qu'ils soient experts hein, à, à deux compétences acquises par an. Mais s'ils pouvaient, ils il iraient en chercher d'autres. Ouais. Et on, on limite aussi, tout le monde ne peut pas être expert, donc euh, voilà. Mais voilà, c'est ça se fait euh, naturellement euh, parce qu'on ne peut pas planifier des formations tout le temps. On peut pas enfin, voilà. C'est et, et ce, cette méthode de, de, de recherche de polyvalence qu'on a mise en place maintenant, c'est la deuxième année, euh, marche très très bien. C'est une super idée. Il y, a, il, y a, il y a quelques entreprises qui fonctionnent en 80-20 et qui laissent 20% de, de liberté. Ah. J'allais y venir en bon, fait, voilà. Donc, mais c'est bien, tu m'as devancé. En fait, nous, sur des métiers où on n'est pas capable de, de pouvoir former sur le tas, c'est-à-dire des métiers d'experts, des métiers de brasseurs, par exemple, alors certes, on fait de la polyvalence, mais il y a un moment donné, on doit aussi prévoir les coups durs, c'est-à-dire les CP, les absences maladies, et, et l'entreprise ne doit pas forcément en pâtir, ne doit pas forcément s'arrêter, parce qu'on a des clients qui sont derrière et qui, dans une notion de, de qualité et de service, bah, attendent attendre d'avoir nos produits. Et, et donc, bah, effectivement, on, on essaye d'organiser aujourd'hui, d'avoir des équipes un petit peu en surnombre, alors on n'y est pas encore totalement, pour justement arriver à cette, à cette règle des 80-20, c'est-à-dire 20%, non pas de temps libre, mais de temps disponible pour le centre d'intérêt prioritaire du collaborateur. Relatif à sa fonction. On a des gens qui sont par exemple des, des brasseurs qui sont très intéressés par la technique et donc on va leur laisser du temps pour arriver sur toutes les opérations de maintenance technique de leur outil de travail. C'est vertueux parce que finalement ils gagnent en compétences, ils gagnent en maîtrise de leur propre outil et, et donc le cercle grandit finalement et l'expertise grandit. Et, et je, pour, pour terminer aussi pour la partie savoir-faire, parce que bah, trans pardon, transfert des savoir-faire, je pense qu'il faut que nos nouvelles générations, les personnes qu'on embauche dans l'entreprise, euh, aient la vision du projet et le sens. Et s'ils adhèrent au sens et au projet, bah, globalement, ils sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus réceptifs à aller chercher euh, des nouvelles compétences et à comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et si on arrive à ce juste équilibre de la compréhension de l'entreprise, ben on, on ouvre des portes qui sont au préalable fermées. Voilà. On parlait tout à l'heure de la marque employeur. Vous avez quatre entreprises très attirantes. Nous, on est on est ravi de, de pouvoir vous accompagner parce que vous avez vraiment des entreprises attirantes. Et justement, comment tu fais pour entretenir cette marque employeur chez toi Est-ce que tu penses que tes, tes collaborateurs se disent fiers de travailler dans ton entreprise Est-ce que tu penses que ça te permet de rayonner aussi et d'attirer de nouveaux talents Alors, je pense qu'on ne le fait pas encore suffisamment. C'est-à-dire, je suis intimement convaincu de l'importance de la marque employeur, que l'entreprise soit reconnue en extérieur comme étant une entreprise qui va développer les compétences humaines des collaborateurs. Aujourd'hui, on est dans l'ère effectivement de la coactivité, du co-développement, du co-partage. Et si on n'est pas une entreprise qui a un co-quelque chose, euh, je ne pense pas qu'on fasse recette dans les années à venir euh, auprès de nos collaborateurs. Euh, donc, effectivement, on essaye de soigner cette partie-là. C'est pour ça qu'on arrive sur ces programmes de, de libération un peu de, de temps disponible pour développer de la compétence de, et qu'ils aient de l'appétence finalement pour leur propre métier. Euh, on essaye effectivement aussi de s'inscrire dans une territorialité, d'être une entreprise qui fonctionne aussi avec des circuits courts, avec des, des entreprises locales, avec des partenariats pluriannuels. Euh, donc tous ces aspects-là finalement viennent nourrir l'entité euh, de la brasserie Kesselin, son moteur euh, pour pouvoir mieux rayonner. On ne travaille pas seul dans notre coin. Brasserie Castellin n'existe pas si elle n'a pas de clients, elle n'existe pas si elle n'a pas de partenaires qui lui livrent les matières nobles dont on parlait au début de, de cet entretien. Il est natif et naturel au sein de la brasserie de pouvoir nouer ses partenariats au long cours et donc de soigner effectivement son image de marque, à la fois dans la qualité des produits, mais aussi dans le respect de ce qu'on achète, aussi bien dans le respect des délais de paiement qu'on va avoir vis-à-vis -vis de nos fournisseurs, donc le développement de nos collaborateurs en interne, l'amélioration de la qualité, parce qu'il faut que le client... Ben finalement, d'année en année, voit la bonification des produits euh, qui, qui sortent estampillés Brasserie-Castelin comme étant une valeur sûre, comme étant quelque chose qui, qui ne va pas lui créer de doute ou de déception. Euh, et donc, ben, tout ça, on essaie de le renforcer. Alors, je n'ai pas dit que c'était simple, je n'ai pas dit que ça se faisait d'un coup de baguette magique, mais c'est beaucoup de petites actions qui nous amènent euh, à travailler ces aspects-là. Mais pour bien les travailler, il faut que les équipes internes de l'entreprise, donc nos forces vives, nos collaborateurs directs, aient compris le sens de notre projet, parce que c'est les meilleurs ambassadeurs, finalement, de ce qu'on appelle la marque corporate en tant que telle de, de l'entreprise. Et qui attire, comme tu le dis très bien, des jeunes talents, ou des talents tout court, mais aussi des fournisseurs et des parties prenantes qui font votre savoir-faire alors pour être clair, Brasserie Questionnaire est une petite PME. On est 45 collaborateurs. Le marché de la bière est un marché qui est trusté par les, par les gros faiseurs et qui a pour fournisseurs des gros faiseurs également et en clientèle, on a des grossistes pour la partie CHR qui sont en général plus gros que nous ou des chaînes de distribution qui sont aussi également plus gros que nous. Donc on est dans un univers où si on ne séduit pas à la fois ses clients, à la fois ses fournisseurs, on n'a pas de raison d'être finalement. Donc on est dans dans cette notion de on doit trouver un équilibre et un partage avec, euh, avec nos, nos partenaires d'un côté, nos clients de l'autre, euh, sur la chaîne de valeur et sur le produit. Voilà. Comment vous faites euh, vous trois pour travailler sur votre marque employeur et pour aller chercher du coup euh, vos fournisseurs avec qui vous avez envie de travailler? Mmh. Chacun. Euh, comment on fait ouais, je veux bah, nous, on a aussi une activité qu'on appelle dans notre jargon CHR, Café-Hôtel-Restaurant. On, on essaie de rayonner aussi euh, à travers euh, ces, ces clients B2B, euh, qui sont euh, les restaurateurs. Et euh, moi, je crois beaucoup aux, aux, aux vertus euh, de, de la gastronomie, évidemment. On en parle, on est en plein dedans. Et euh, donc avoir des référentiels comme des grands chefs de la région. Bon, je trouve que ça véhicule une belle image de nos produits. Euh, ça renforce aussi notre, notre, la notoriété de la marque, mais aussi euh, la capacité euh, de la marque à s'adapter aux exigences euh, de ces divas que sont les chefs de la grande restauration. <laughs> hein Ils nous écoutent. Ils nous bon, écoutent Oui, mais je les remercie aussi. <laughs> Romain, et toi C'est pareil. Oh, on a effectivement euh, un, un jeu de, de visibilité, de notoriété euh, dans, tous les, dans tous les sens du terme et, et, et des projets. Trouver du sens, co-construire, co-construire avec des producteurs en amont, co-construire évidemment avec nos clients euh, les attentes et les besoins de demain et avant tout co-construire avec, co avec nos équipes. Euh, C'est des jeux de dégustation pour ce qui va nous concerner ou... Dans une gamme qui est, qui est assez stable, parce que quand on a 300-350 variétés qui se baladent en fonction des saisons, et qu'on a trois générations avant nous qui ont commencé déjà à filtrer un petit peu les, bonnes, les, les bons sourcings, voilà, pour autant on goûte quand même quasiment 200 à 250 fromages nouveaux par an. Alors, nouveaux, je m'explique, hein, ce n'est pas des variétés nouvelles, c'est derrière une même appellation d'autres producteurs. On essaye de se remettre en cause et puis on le fait de manière collégiale parce que les goûts et les couleurs, il n'y a pas que la, la, la pseudo tête pensante, j'ai bien dit pseudo qui est soi-disant tout en haut de, de la pyramide qui a, qui a la réponse. C'est évidemment avec les équipes que ça, se, que ça se mesure et bon quand on n'en sort que trois ou quatre par an en se disant cela effectivement ça a du sens, on va pouvoir on va pouvoir les mettre dans la gamme et on va pouvoir en parler, en donner envie et avoir la passion. C'est évidemment à travers tout ça et ce mode de fonctionnement qu'on a une adhésion. Ou pas, mais on peut avoir évidemment une adhésion de, de nos collaborateurs et, et de ceux qui demain feront grandir l'entreprise avec nous. Oui, bah, je, je reprends un peu la parole puisque ce matin, pas plus tard, ce matin, pas plus, oui, ce matin, nous étions à, à, à l'école cuisine mode d'emploi pour leur faire une petite formation sur le café. Bon, bah, c'est toujours intéressant d'avoir ce contact avec des gens euh, qui sont dans, un, dans un, un cycle court pour être tout à fait opérationnel dans les dans les semaines à venir, et bah, on donne du temps pour ces gens-là, et je pense que ça renvoie aussi une belle image. Et quand on sort de là, bah, je peux vous assurer qu'on est vachement content dans la banane, en disant, bah, mon dieu, on a fait une belle prestation, on a été aussi original, on a adapté cette formation à leur métier, on n'a pas été trop barbant, ni trop théorique, et on a surtout montré comment on pouvait préparer le café différemment, hein, en remettant au goût du jour la filtration l'expresso bien sûr, mais d'autres façons de le préparer qu'on a souvent oublié et qu'il faut maintenant remettre au goût du jour. Et ça, ce sont les jeunes qui nous le, qui nous le rappellent et qui nous le disent, attention, il n'y a pas que l'expresso pour déguster du café. <laughs> bon, je... enfin, beaucoup de choses ont été dites, effectivement. Je rajoute très simplement que, comme le disaient mes parents, mieux, mieux vaut faire envie que pitié. Donc voilà, c'est le rayonnement de, de l'entreprise. Doit être aussi, aussi au niveau du, des, de ce que l'on peut dire et ce que l'on présente effectivement pour les jeunes, mais j'ai euh, en, en gestion des, des ressources humaines, enfin, ce qui pour moi est, est le, vrai, le vrai coup près, c'est combien de temps restent les, restent les jeunes dans nos entreprises à euh, la rigueur c'est faci facile de les faire venir de leur raconter une belle histoire euh, ce qui est extraordinaire c'est quand euh, bah, ils passent 5, 10 euh, voire, voire plus euh, euh, une quinzaine d'années dans l'entreprise euh, parce que finalement au, au delà du grand discours euh, bah, ils, ont, ils, ils y sont retrouvés aussi hein, ils, ont, ils ont vu qu'il y avait euh, que les, les engagements que l'on pouvait mettre en avant euh, dans une communication responsables à leur destination ou plus général au niveau du grand public, ben voilà, c'est aussi la réalité dans l'entreprise et que les valeurs que l'on montre, ben ce sont aussi, et ça je pense que c'est très très important, ce sont les valeurs de l'entreprise et c'est celles qu'ils qu ont au quotidien, ce qu'ils vivent au quotidien dans l'entreprise. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, je sais que tu es EPV, entreprise du patrimoine vivant, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond alors, le label EPV est un, est un label d'État euh, qui, qui est donné aux entreprises qui ont une histoire euh, et qui euh, bah, font, font tout pour que cette histoire continue le plus longtemps possible. Euh, c'est un, un beau label. Hein, euh, L'État fait des choses bien aussi. Hein, voilà, donc il faut, je pense qu'il faut, faut le dire. On en, on en est très fier. Et est, même si est, il n'a pas, pas une grande notoriété, euh, ce que je peux te dire, c'est que quand, quand on l'affiche sur des salons ou autres, euh, c'est impressionnant euh, ce, que ça, enfin, ce que ça véhicule comme, comme information positive pour l'entreprise. Hein, est-ce que vous travaillez vous aussi avec des... En fait, la question que je me pose c'est comment vous êtes sûr de préserver la qualité de vos produits euh, Et est-ce que vous travaillez donc pour le montrer à vos consommateurs avec des labels ou avec je sais pas des, des conseils de stratégiques ou des comités, j'en sais rien, pour euh, pour essayer de préserver la qualité de vos produits. Alors euh, oui, on travaille avec des labels. Je, je vais revenir juste après. Je vais re juste rebondir par rapport à EPV. Euh, effectivement, c'est formidable et c'est des entreprises qui sont magiques. Sur euh, toutes nos bouteilles de Ch'ti Blonde ou de Castelin qui sont avec un muselet, le muselet est fait par une entreprise française qui est dans la Marne à côté de Reims euh, et qui fabrique ça. Et c'est magique à aller voir. C'est magique de voir ces, ce savoir-faire et ces machines ancestrales qui filent, qui torsent, qui, qui font la, la torsion sur le fil pour pouvoir faire ce petit objet, objet du quotidien qui finalement passe assez inaperçu euh, aux yeux de tous les consommateurs, mais qui est faite par, par un vrai, un vrai beau savoir-faire. Euh, sur la notion de la qualité, effectivement, on le disait tout à l'heure, l'humilité nous amène déjà à nous remettre en question de manière très régulière, à toujours avoir le doute de savoir est-ce que ce qu'on fait, est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est bien, est-ce que ça peut être encore mieux demain La réponse est oui, ça peut toujours être mieux demain. Et donc, pour rentrer dans cette démarche, on fait beaucoup d'améliorations continues au sein de la brasserie et on se fait aussi guider finalement au travers d'audits de, de, pour pouvoir valoriser des labels. Alors on a euh, donc un label qui s'appelle IFS, qui est, qui est majoritairement dédié à la grande distribution aujourd'hui, mais qui, qui nous pousse finalement à bien, on va dire, à bien cartographier notre processus de fabrication, nos processus internes, et à pouvoir garantir une répétabilité. Cette répétabilité, elle vient aussi dans la qualité du produit, c'est-à-dire que si on fait bien un jour, moins bien le lendemain, et encore moins bien après, le consommateur il, il s'en aperçoit, il n'est pas dupe. Euh, donc il nous, il nous ordonne finalement une exigence vis-à-vis -vis de la constance du produit. Et cette constance, bon, on la travaille au travers d'un service qualité chez nous, au travers d'un laboratoire qui analyse de manière quotidienne l'ensemble des étapes de production pour faire de la bière, tout au long du processus. Faire de la bière, c'est un processus qui est finalement assez long puisque entre la journée de brassage et finalement la mise à disposition en bouteille, pour une chtille, on est à minimum un mois, de, un mois de production. Et donc tout au long de ce mois, bah finalement, le produit acquiert sa maturité, vieillit et est contrôlé à chaque étape. Donc ça, globalement, c'est l'ensemble des étapes qui nous permettent de garantir à un moment donné le fait que la qualité est sous contrôle, les organismes qui viennent nous contrôler pour les audits forcément nous, nous poussent ou nous tirent en avant pour pouvoir améliorer d'année en année la qualité, notre doute permanent de, bah, nous amène à nous remettre en cause et à, à avoir un programme de démarche d'amélioration continue au sein de l'entreprise. Et avec ça, je pense qu'on est sur une dynamique où on a bien compris qu'il euh, faut surveiller la qualité comme le lait sur le feu. Puisque c'est la clé de la réussite et c'est la clé de voûte finalement d'une entreprise agroalimentaire. Oui, c'est certain que les, toutes les démarches d'amélioration continue, c'est des, des vraies postures finalement. Des postures de dirigeants, des postures d'entreprises, de, des, des, des approches pour, 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 pour nous amener à tout ça. Et, et, et finalement, c'est très, très bien dit, c'est que le. On a notre consommateur final, et je crois aujourd'hui beaucoup plus, qui lui est notre, notre juge de paix à la sortie. Et, et on a la chance peut-être de vivre dans, un, dans une période où on a une proximité avec nos, nos clients, avec ceux qui, nos gourmands, nos gourmets, qui, euh, par les moyens numériques et du digital, aujourd'hui, arrive, on arrive à créer des communautés d'échanges, euh, de retours Nous, on a, on a aujourd'hui un un club qu'on a, qu a monté qui s'appelle Cheese Club, où on a presque 5000, 5000 particuliers à travers la France, euh, qui sont à la fois euh, bah, nos propres clients, à qui on donne l'accès à, à de la data, ils ont l'historique de leurs commandes, ils, ils peuvent retrouver... Ça permet de répondre à la fameuse question du le plateau de Noël d'il y a trois ans. Ma grand-mère avait bien aimé le fromage carré euh, qui était dessus. Euh, bah, je vous avoue que sur les euh, 7 ou 8 000 commandes qu'on traite, on a un peu de mal à, la, à la retrouver en mode papier. Maintenant, aujourd'hui, on sait leur dire hein, sans aucun souci et vous, ils savent même le retrouver tout seul. est quand même fabuleux. Mais au-delà de ça, cette logique de communauté fait qu'on a des sollicitations. Du je reviens de vacances, j'ai découvert un producteur, il fait un truc intéressant. Euh, vous devriez goûter, voir si en affinage, vous ne savez pas en faire quelque chose. Et on peut avoir ce type d'échange. On peut avoir une vraie proximité. Euh, J'avoue que j'ai un, un peu de vigilance, je vais dire ça comme ça, vis-à-vis. Euh, des, de, la, de la démultiplication de certains labels. Il fut un temps où les labels étaient un vrai gage de qualité. On est dans le monde du fromage comme dans celui du vin, très, très sensible à, aux appellations d'origine contrôlées puis protégées. On a des concentrations dans, dans le secteur qui font que euh, on se retrouve parfois avec des appellations d'origine où on n'a plus qu'un seul acteur quasiment derrière et où on joue quasiment à la marque. Euh, la limite entre la marque et l'appellation d'origine est très 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 très, très litigieuse. Et voire parfois, on oublie souvent, moi je rappelle souvent qu'un label, c'est avant tout un cahier des charges. Alors comme dans beaucoup de labels, il y a des cahiers des charges extrêmement bien faits. Il y en a d'autres qui sont des vrais passoires et qui correspondent plus à nos valeurs, aux valeurs des entreprises qu'on représente et à ce qu'on défend. Et c'est toujours un peu dommage, dommageable, en tout cas glissant parfois, de, de, de s'associer avec certains labels. Alors on préfère aujourd'hui, euh, et on glisse peut-être vers ça, se dire que finalement c'est notre signature qui euh, amène un petit peu cette, cette, cette crédibilité, cette régularité. Euh, on est investi, on essaye d'être constant, puis on essaye surtout d'écouter nos clients, parce qu'on travaille du vivant, euh, plus ou moins, mais en tout cas, si c'est plus ou moins euh, chauffé, eh bien ça ne donne pas la même chose. Euh, et, et, et on doit les accompagner et les aider, parce que... Le plateau de fromage, je pense à la tasse de café, si euh, la machine est mal réglée et si l'eau est trop chaude, bah, ça fait pas la même chose. Si l'assiette de fromage, euh, votre fromage, il est trop froid quand il arrive, bah, ça donne pas la même chose. Euh, si c'est mal expliqué, bah, c'est encore pire. Et, et, et tout ça est essentiel. Donc c'est vrai que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on doit se trouver... C'est notre manière d'innover, en fait, finalement. On est quand même des métiers de tradition. Euh, on ne va pas révolutionner nos produits en, en y mettant des choses un peu, un peu ubuesques à l'intérieur. Mais par contre, on doit, avoir, euh, on doit être moderne au sens euh, premier du terme. On doit être innovant à travers euh, les outils, notamment technologiques, qui nous sont proposés aujourd'hui. Pierre, dans le café, du coup, comment on sait que la filière du café est une filière compliquée en termes de traçabilité. Comment tu fais euh, avec, Comment tu travailles Comment tu choisis tu es un expert en café. Comment tu arrives à. Bah, je ne suis pas l'expert en sourcing de café. Bon, je connais un petit peu la transformation du café. Mais euh, je rejoins un petit peu, je voudrais, je voudrais rebondir sur les, les, les certifications, les labels. Là, vous avez une boîte qui est certifiée, double labellisée, euh, donc commerce équitable et, et bio. Euh, nous, on, on s'efforce aussi de défendre une filière qui est la filière café. Vous savez qu'il y a beaucoup de paysans qui vivent dans des, dans des pays assez pauvres, presque carmondistes, et qui n'ont pas toujours les revenus décents de leur travail. On est aussi dans un marché trusté par les géants. Certains même achètent carrément des, des, des récoltes d'un pays. Les géants en arrivent là. On faut quand même imaginer que c'est quand même des PIB dont on parle. Euh, voilà, donc euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, certains euh, cultivateurs euh, de café n'ont pas toujours les moyens d'obtenir des labellisations sur le sol pour être bio ou pour être même équitable. Euh, donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire euh, Travailler avec leurs moyens en permaculture, euh, en agriculture raisonnée, et ils peuvent faire des très bons produits. Le bio, c'est tendance, certes, mais ce n'est pas une garantie de bon goût. Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais je tiens à le dire. Il y a toujours des gens qui font bien sans avoir besoin d'y mettre le label. Il faut avoir du discernement et pas, je dirais, prendre tout pour argent comptant. On rebondira tout à l'heure là-dessus, peut-être, parce que je pense que le client est toujours curieux aussi, de mieux en mieux informé. Et nous, nous devons aussi bien l'informer, euh, rester humble, parce que c'est de plus en plus compliqué. Avec la digitalisation, la numérisation, on a plein d'informations contradictoires, tout le temps. On le voit, à l'heure actuelle, dans ce qu'on vit, malheureusement. Et, et je pense qu'il faut faire le tri. Et une marque euh, qui est engagée, euh, sincère, euh, aura, à mon avis, de l'avenir. Elle pérennisera sa marque. Donc je pense que ça passe par là. Je suis une convaincue, Pierre, tu le sais, c'est les marques militantes qui ont qui ont, qui ont l'avenir devant elles. Comment, en fait, du coup, tu, tu parles, tu t en, t as enfoncé une porte là, avec ton, ton produit bio. Je vois deux produits bio sur la, sur la table. Il y a aussi la brasserie Castelin qui, qui fait du bio, mais depuis, euh, depuis longtemps. Et là, j'ai deux autres euh, partenaires qui ne font pas de bio. Du coup, je me demande comment, pourquoi, quelle a été votre décision, vous je, Voilà. De ne pas faire de bio, mais de le goût. Voilà. Comment on s'y retrouve Alors, en ce qui concerne le non-bio, on a la chance de pouvoir travailler avec des poissons, enfin majoritairement des poissons sauvages. Donc, par définition, un poisson, un poisson sauvage ne peut, pas, ne peut pas être bio. Euh, voilà. Mais au-delà du bio ou pas bio. Euh, avec la qualité de nos produits, Nicolas le disait tout à l'heure, ça, ça, ça vient aussi de la, de la matière première qu'on a. Hein, voilà, et, et en termes d'entreprise de, de, responsable, euh, nous, en ce qui concerne le, le, le poisson, c'est bien, bien veiller à ce que les filières de pêche soient respectueuses des quotas, euh, des zones de pêche. Euh, tout, tout ça, c'est. Bon, on le lit partout. Hein, à la rigueur, tout, 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 tout le monde le fait. Euh, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà de... Euh, nous, nous, on travaille des poissons avec, essentiellement avec des poissons qui viennent d'eau froide. Euh, et le changement climatique euh, euh, change aussi pas mal la donne. Et on préfère aller chercher des poissons un peu plus chers, un peu plus loin, mais qui soient des vrais poissons d'eau froide, qui, où on est respectueux du cycle de vie du, de, de cette matière première. Alors c'est bien, bien de pouvoir le dire. Hein. On est très, très fier de dire que voilà, on va chercher nos poissons un peu, un peu plus loin qu'on avait l'habitude de le faire. Mais au-delà au de ça, ce qui est très important, et je peux vous dire qu'on les, les consommateurs et on parlait des, des, des grands chefs, ils voient la différence parce qu'ils se retrouvent avec des poissons euh, et ils nous disent, waouh, wow, ce, ce poisson, où est-ce que tu l'as trouvé C'est le poisson qu'on connaissait. Euh, le poisson fumé qu'on connaissait il y a quelques années. Donc tout ça, c'est plein d'encouragements. De, plein Alors c'est une remise en cause permanente hein, de nos, de nos sourcings, mais euh, j'ai qu'au-delà du, du débat bio ou pas bio, euh, c'est de se dire, nous tous, autant que nous sommes, est, voilà, où est-ce qu'on peut aller chercher la meilleure, la meilleure matière, matière première Alors elle sera peut-être un peu plus chère, euh, mais. Euh, on, est, on a tous parlé de, des vecteurs qualitatifs de nos, de nos produits. Euh, c'est un vecteur très très important. Euh, et voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort tous à, à proposer effectivement du, du mieux à nos, à, à nos clients. Voilà. Bah je vais, pour répondre à la question du non bio, je vais, je vais juste, euh, je vais donner deux exemples. Euh, le premier il va complètement dans le sens qu'évoquait qu Pierre. On n'a on a jamais mis, nous, particulièrement en avant le bio parce qu'on a trouvé que la plupart de nos producteurs n'étaient pas tous alignés sur la démarche. On a toujours eu des, des hyper-pionniers. Et donc les hyper-pionniers, quand ils sont lancés, ils nous disaient surtout mettez bien en avant le bio dans le, dans le rayon. Euh, sauf que quand on en avait euh, une dizaine de sortes, la réglementation et sa bêtise nous imposait d'avoir un rayon dédié dans chacune des boutiques, dans lequel on n'avait que du bio pour pas que ça se contamine croisé avec les autres. Conclusion euh, très compliqué à mettre en œuvre. Et puis une fois qu'on avait une gamme finalement où on aurait pu se dire il oh, y, y a suffisamment de références, nos plus pionniers ont commencé à nous dire c'est plus dans la philosophie et c'est plus assez strict donc j'en sors. Notre productrice de Sainte-Maure, ce grand fromage de chef de la Touraine, fait partie des pionnières. Je crois qu'elle avait la troisième ou quatrième labellisation bio de France. Ça fait déjà 20 ans qu'elle a arrêté le bio. Parce qu'elle considérait que le mec qui venait de l'auditer, il n'était pas au niveau. Donc, partant de là, c'est effectivement, à un moment donné, on, on, a, on a fait le choix de se dire euh, à nouveau, le, le label est une chose. Euh, il est certainement nécessaire pour clarifier. Et, et, et éviter qu'il y ait des grandes dérives à nos petites échelles très artisanales euh, c'est certainement à nous d'être capable de l'expliquer aussi, d'avoir de la proximité avec nos clients, euh, on a des modes de distribution euh, pour ce qui nous concerne, on n'a pas de, de, voilà, de grands distributeurs derrière donc on, on essaie d'avoir cette communication de proximité pour l'expliquer. Et puis le deuxième exemple il est lié, moi je pense fondamentalement que le bio n'est pas adapté au monde du fromage parce qu'on est un produit transformé et je vais vous donner un simple exemple. Pour vous trouver un beaufort labellisé bio, vous ne trouverez jamais un beaufort qui est, qui est pour nous la, la role, c'est-à-dire le chalet d'alpage. Ces fromages fabriqués à plus de 800 mètres d'altitude, où on a euh, l'hiver, et vous avez vite comprendre pourquoi, c'est mal fait l'hiver, il y a de la neige dessus. Alors, comme il y a de la neige dessus, puis qu'il y a des skieurs qui vont dessus, on ne peut pas garantir ce qui se passe dans le sol. Donc, comme on ne peut pas le garantir, pour avoir un beau fort bio, bah, on prend des fromages où les bêtes elles sont restées dans la vallée. Elles n'ont pas vu un millimètre d'altitude et, et d'herbage qui va bien. Mais par contre, on leur donne une super alimentation importée, mais qui est labellisée bio. Alors, je vous laisse deviner les origines des sources d'importation de l'alimentation qui va derrière et qui est faite en amont. Et ça, c'est bio. Donc, on, on est. De par la transformation, vu qu'on n'est pas en direct, et, et, et autant dans, dans le café, autant dans, 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 dans la bière, on a, euh, on, on a ces sourcings qui sont vraiment directs. C'est votre matière première qui vient d'une production biologique. Nous, on, est déjà, euh, on a déjà en amont une vraie transformation qui, qui s'opère et qui permettrait euh, d'avoir, euh, pardon l'expression, mais c'est un peu open bar dans ce qu'on peut faire en amont. Quoi. Euh, on doit être bio à l'échelle européenne. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Euh, et et, et c'est finalement pas le plus proche de la nature que d'être bio, en tout cas dans le fromage. Alors, je vais rebondir sur, sur, le, sur la notion du bio. Il, il est évident, et je, je partage une partie de vos avis, le bio ne peut pas répondre à tout. Le, le bio n'a pas vocation à répondre à l'ensemble des, des produits alimentaires qui sont aujourd'hui proposés aux, aux consommateurs. Nous, on a fait un choix il y a un peu plus de 30 ans maintenant euh, de créer une bière biologique qui s'appelle Jade, qui a été créée en 1986. Un, dans un temps où effectivement, j'étais peut-être avec euh, la productrice de Sainte-Maure, euh, dans les pionniers effectivement, de bière euh, biologiques On l'a fait parce que c'est une rencontre humaine, c'est une rencontre de, de, de défenseurs euh, de, de produits euh, qui voulaient absolument obtenir une bière labellisée bio. Besoin consommateur qu'on a compris parce que finalement assez proche de notre éthique personnelle. Bien conscient que ça allait être un challenge à l'époque parce qu'aujourd'hui ça peut paraître assez simple, mais un peu plus de 30 ans en arrière, c'est loin d'être simple, C'était un vrai pari. On a eu des producteurs d'orges de l'Oise qui nous l'ont fait, qui nous ont fait des orges bio. On a réussi à les faire malter à la malterie d'air sur la liste à l'époque. Euh, qui a joué le jeu euh, et qui revient à faire du bio depuis euh, maintenant euh, près de deux ans euh, sur, sur, sur Air sur la Lix. Et je rêve finalement au travers de, 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 de ce parti-là d'avoir pour ma marque Jade un bio qui soit un bio local en fait, c'est-à-dire un, un bio éco-responsable quelque part. C'est-à-dire que notre conviction à la base, elle était de se dire il faut être dans un circuit encore plus court que ce qu'on pouvait faire. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient derrière cette partie-là. Donc l'agriculteur de l'Oise, le planteur de houblon, en l'occurrence allemand, puisqu'il n'y avait, avait pas à l'époque de, de houblon bio en France. Maintenant, il y en a. Donc, preuve qu'on peut, on peut aussi réhumaniser et faire revenir des choses qui n'ont pas eu lieu ou qui, qui avaient disparu. Et ça, ça a du sens pour moi euh, autour de cette histoire. Mais bien évidemment, la brasserie a de l'agriculture raisonnée sur une partie de ses gammes euh, avec Ch'ti et Castelin et a un, effectivement une particularité avec Jade d'être bio à 100% sans concession. Voilà. Et, et si possible, par rapport à ce qu'on disait de, de, tout à l'heure, dans l'éco-responsabilité qui doit être la nôtre, le plus proche possible pour éviter effectivement d'être dans les choses qui viennent du bout du monde et qu'on revendique bio sur nos linéaires ou sur nos tables. Voilà. Donc notre conception du bio, c'était une approche humaine, client, besoin très proche de ces finalement consommateurs. Avec une capacité à pouvoir essayer de le faire en local. Pendant des années, ça a été compliqué hein, le bio. Hein, euh, personne n'en voulait. C'est-à-dire qu'il fallait se battre contre tout le monde pour, euh, on va dire, pousser notre idée. Notre idée était farfelue. Elle était, elle était vue comme quelque chose hors norme, qui n'avait qui qui pas de sens, finalement. Euh, et aujourd'hui, on veut la raccrocher non pas à l'univers du bio opportuniste, mais à l'univers du bio. Euh, qui avait au moment de sa conception même déjà une idée dans la, dans la tête d'éco-responsabilité ben, associée à ça, avec des, pro, des vrais producteurs derrière, avec euh, des hommes et des femmes, et avec un produit, si possible, local. Euh, alors l'Europe, le, effectivement, c'est le minimum. Hein, C'est-à-dire que c'est euh, aujourd'hui euh, du bio qui n'est pas, qui est hors Union européenne. Euh, bon, on peut se poser la question de, de, de la véracité et, et, et de légitimité finalement de la démarche du producteur. Voilà. Oui, mais tout à fait. Là, c'est très vertueux en fait, euh, et ça donne du sens euh, au, au bio. Euh, moi, je me souviens. Euh, il y a quelques années, quand nous étions partis sur le développement du, du commerce équitable, avec le label Max Evla, qui développait une grosse filière sur le café à l'époque, café, coton, chocolat, et puis ça s'est développé, euh, bah on était vus aussi comme des, des extraterrestres. Certaines enseignes de la grande distribution ont longtemps même boycotté euh, ces labels euh, pour des raisons... Euh, d'obscurantisme, de, de, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là euh, Finalement, il euh, bah, faut du courage, il faut s'accrocher, et puis euh, quand on, on apprend avec ces filières, on finit par, par mieux maîtriser aussi. Il euh, faut savoir que euh, les labels, chaque année, il euh, y a des producteurs qui le perdent parce qu'ils ne font pas ce qu'il faut aussi. C'est quand même contrôlé, euh, et, et nous on se raccroche évidemment à ceux qui ont, qui ont gardé ces appellations c'est une matière aussi vivante et d'une année à l'autre on n'obtient pas non plus la même qualité de matière première et, et voilà faut, faut sans arrêt ressourcer et se remettre en question. voilà. en fait on se rend compte que vous dépassez toute forme de label. Grâce à vos, vos choix de parties prenantes de fournisseurs, c'est ce qu'il faut faire. Il faut être mieux que les labels, même si, si parfois on en a besoin, évidemment, vis-à-vis -vis du consommateur. Et je crois beaucoup aussi aux vertus du one to one. Euh, on est des entreprises séculaires, donc euh, on a des clients qui nous connaissent depuis longtemps. Bon, ils vont pas non plus, euh, ils vont mourir avec nous. Et donc il faut renouveler un petit peu aussi euh, la zone de chalandise, aller séduire des jeunes. Et, et je pense que eux aussi euh, ont des attentes, des marques et, et des vrais engagements. Au-delà de la qualité, euh, on arrive au RSE, euh, des, des, des véritables engagements pour les collaborateurs et, et pour les produits que nous faisons. On est tous intimement persuadés qu'on fait tous de la qualité, on y croit, mais il faut aller encore plus loin. Je, je crois que c'est d'impliquer aussi euh, euh, toute une, une jeunesse qui, est, qui a envie de, 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 de s'approprier. Euh, euh, bah des, des produits qui ont du goût et, et, et faire confiance. Oui, complètement, il y, a, il y a un vrai travail de pédagogie en fait. Euh, le, le fait d'être présent sur, euh, sur les territoires depuis autant d'années, on a, on a tous accumulé euh, un, un peu d'expérience, un peu de, de compétences, un peu de savoir et de savoir-faire. Et, et tout ça, on doit l'expliquer. Surtout, on a beaucoup de pédagogie à faire. Je m'amuse toujours. Euh, je vais à nouveau parler d'une anecdote, mais quand on a nos, nos chers clients euh, qui, qui reviennent avec beaucoup de plaisir, les yeux pétillants des sports d'hiver, en nous disant euh, :« Ah, on voudrait renouveler l'expérience. C'était quand même bien. On a skié toute la semaine et tout était avec les copains. Oh, ce soir, on fera bien une raclette. Ça nous rappellera les vacances. » Ah oui, ouais, super. Et puis bon, vous leur une raclette euh, au lait cru, du haut doux, dans le petit village qui va bien, avec le, le, le versant qui enfin va voilà, très choisi, trié, bien affiné, euh, tout bien comme il faut. Vous vous assurez qu'ils ont la bonne machine qui va bien aussi, parce que là, c'est comme dans le, dans le café, où quand la bière est mal tirée, ça ne fait pas le même goût. Hein. Bon, bah là, c'est pareil, on essaye de s'assurer de l'équipement, voire on le confie en prêt pour être sûr que ça fonctionne. Et puis, huit jours plus tard, dix jours plus tard, on les voit revenir en disant « alors votre athlète, ça s'est bien passé mmh. ?»« Oh non, c'était catastrophique. »« Ah bon ?» Et euh, effectivement, euh, bah, il manquait l'essence aussi et ce partage et cette, cette proximité catastrophique. Parce que bah, au lieu d'être à euh, trois ou quatre coupes et d'avoir skié toute la journée eh bien, euh, et d'avoir la grande cheminée au feu de bois, bah, on était à deux à se regarder dans le blanc des yeux et en s'étant à moitié engueulé euh, dix, dix minutes avant forcément ça donne pas le même résultat et on est aussi dépendant de ça. Et pour autant, moi mon plaisir c'est de rappeler que la plupart des raclettes qui sont proposées dans nos belles stations de sport d'hiver, elles sont quand même faites à Quimper. Donc, euh, c'est la Bretagne, ce grand pays du fromage de montagne. Euh, vous m'avouerez que c'est quand même un peu amusant. Et on a besoin, je reviens à ça, à cette notion de pédagogie, d'expliquer l'envers du décor, d'expliquer à un moment donné nos différences, d'expliquer les différences tout court, avec beaucoup d'humilité, juste d'apporter des éléments, des faits. Euh, la fameuse tartiflette faite avec un vrai reblochon, vous demandera la filière du reblochon, mais depuis qu'on a inventé le fromage à tartiflette tout court, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et que ça ne respecte plus aucun cahier des charges, c'est quand même assez magique. Bon, euh, il y a beaucoup d'ironie évidemment dans, dans mon propos. Mais toute cette pédagogie, toute cette explication, que derrière une étiquette, derrière un, un, un cahier des charges, on n'a jamais eu des étiquettes aussi grandes. Bientôt, on va plus voir les produits. Enfin, c'est... Euh nous, on s'amuse quand on nous demande de mettre tout ce qui est à mettre sur un petit picodon ou un pélardon. Je vous parle pas du rocamadour parce que là, c'est encore pire. Euh, même si on fait les quatre faces, on n'y arrive plus. Quoi. Je veux dire, c'est de plus en plus compliqué. Et finalement, c'est un transfert de responsabilité, moi qui m'agace un peu. On transfère la responsabilité chez le consommateur on, dit, oh, on vous l'a écrit, à vous de vous débrouiller avec ça. Vous le saviez, on n'a pas menti. Oui, mais enfin, on n'est pas tous des experts de chacun de nos, de nos métiers. On a déjà du mal, et on vient de le dire tous avec beaucoup d'humilité. On est très humble vis-à-vis -vis de nos propres métiers. Il faudrait qu'en plus, tout, on soit tous experts de tout le monde. Non, il faut, 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 faut faire simple. Et c'est vrai que là-dessus, on doit donner, et pour moi c'est le maître mot aujourd'hui, un de la pédagogie et deux de la confiance. La confiance va être essentielle envers nos équipes, avec nos équipes, pour faire grandir les projets, et aussi et surtout avec nos clients et nos partenaires au sens très large. C'est comme ça que les consommateurs vous choisissent parce qu'ils font confiance en la marque et en ce que comment vous voilà en ce que vous leur expliquez. Comment on fait du coup pour sensibiliser ces nouveaux consommateurs Comment vous fait pour transmettre à ces consommateurs Pour rebondir sur ce, que disait, sur ce que disait Romain, en fait, je pense qu'on a une problématique qui est notre conscience professionnelle. Ce qu'on a beaucoup, en l'occurrence, dans, dans, dans l'artisanat et dans les PME, c'est comment on arrive finalement à, à revendiquer notre conscience professionnelle sur les produits qu'on vend, sans avoir effectivement un listing à la vert de l'ensemble des choses qui qui, doit, qui nous sont aujourd'hui imposées par la réglementation. Euh, ben L'un des sujets qu'on a chez nous c'est d'avoir euh, finalement une liste d'ingrédients qui soit la plus courte possible. C'est un bon moyen de rassurer le consommateur. Euh, de, on travaille des produits nobles, on en travaille peu, euh, et donc du coup une liste d'ingrédients courtes peut parfois euh, donner euh, finalement au consommateur une certaine reconnaissance du fait que c'est pas un produit ultra transformé c'est pas un produit qui a été maquillé c'est pas un produit en tout cas qui est dangereux ou qui ne respecte pas la santé donc on essaye au travers de ça de donner cette confiance alors on utilise avec parcimonie les labels effectivement parce que le label on peut on peut lui faire dire tout et n'importe quoi donc il faut choisir ceux qui nous donne du sens en interne pour nos collaborateurs et si possible chez nos, nos, nos clients. Euh, nous aujourd'hui, on, on travaille beaucoup notre politique RSE, donc notre responsabilité sociétale des, des, des entreprises finalement. Et parce qu'on pense que c'est au travers de, de ça, et ça vient nourrir aussi un peu tout à l'heure ce qu'on disait, le, la marque employeur finalement, euh, qui nous sommes, qui se cache finalement derrière cette entreprise euh, bah C'est des hommes et des femmes. Et, et ces hommes et femmes, bah, il faut finalement les mettre sur, sur le devant de la scène parce qu'il n'y a rien d'autre qui rassure plus que finalement avoir le sentiment de s'adresser à un humain, euh, à un homme, à une femme, à un collaborateur et pas à. Une, un numéro vert qui nous envoie finalement dans, euh, parfois dans d'autres pays, euh, dans des centres d'appel. Euh, C'est ça qui, pour moi, à, mon, à, à notre niveau, donne du sens. Donc on, on essaye de cultiver notre RSE, donc notre responsabilité sociétale, au travers de plusieurs choses, l'ancrage territorial, la qualité de nos produits, euh, l'humain au cœur du projet. Euh, avec plusieurs déclinaisons euh, sur euh, bah, cet ancrage territorial dans les partenaires qu'on a évoqués tout à l'heure, des contrats pluriannuels, des, des hommes et des femmes en local. Euh, tout ça vient nourrir finalement euh, à la fois la marque employeur, à la fois nos équipes. Parce que ça les rassure aussi des équipes, nos équipes internes, de savoir qu'on ben, fait des, des bons produits, des beaux produits, et qu'on respecte finalement ce qu'on appelle une bière. Voilà. Parce qu'effectivement, on peut avoir beaucoup de créativité, on peut avoir beaucoup d'innovation autour de la bière. Avec quatre ingrédients, on a une infinie possibilité de combinaison. C'est sans fin, en fait, c'est notre beau métier. On peut encore durer 100 ans, finalement. Donc, on va, on va s'y atteler. Et, et au travers de ça, bah, finalement, on, on, prend, on, on essaye de rayonner, de donner un peu d'énergie à, à, nos, à nos collaborateurs et à nos clients. Et il y a un point qui est assez fondamental aujourd'hui dans le développement durable, qui est la préservation de l'environnement, finalement, préservation de, de l'écosystème dans lequel on vit. On vit dans un écosystème qui, à la fois économique et à la fois environnementale, et comment on, on arrive à aborder finalement ce sujet de la préservation des ressources. Et donc aujourd'hui, sans être un modèle du genre aujourd'hui, la brasserie essaye par l'ensemble de ses investissements, par l'ensemble de ses organisations, bah d'être de plus en plus vertueuse euh, année après année autour de cette préservation des ressources. Donc euh, quand on fait des investissements, bah, avoir des machines qui consomment de moins en moins d'eau, de moins en moins d'énergie, de moins, de moins en moins d'énergie fossile, quand on peut remplacer des énergies fossiles par d'autres énergies, bah, on le fait. Donc on, effectivement, on achète aujourd'hui de l'électricité durable qui provient de, de sources renouvelables. Bah, ce genre de choses fait qu'on contribue finalement à donner du sens et on donc, contribue à donner... De la crédibilité euh, par des actions du quotidien qui sont euh, progressivement mis bout à bout ben, commencent à avoir effectivement un peu d'envergure de, euh, et on va pas s'arrêter en, en si bon chemin et on va continuer quoi. Donc c'est ça les, les années à venir sont là quoi. Euh, on a eu deux de, de, de couplets d'un de, de, militantisme pro progresseux, que ce soit sur les étiquettes et les normes. <laughs> euh, je, je, voudrais rajouter, je voudrais en rajouter une autre. Euh, on, on, on nous dit souvent euh, arrêtez avec le plastique, arrêtez avec le plastique. Euh, c'est extrêmement simple. Je vais être provocateur, c'est extrêmement simple. Il euh, y, y a 50 ans, 60 ans, il euh, n'y avait pas de plastique. Hein. Il n'y avait pas de plastique et, et sans aller aussi loin que ça, euh, certains autour de cette table ont connu les années 70. <laughs> euh, on mangeait des yaourts dans des, des, des pots en paraffine. Euh, on, on utilisait des, des crèmes, mesdames, pour se... Le soir, c'était de la Nivea. Il y avait pas de, il y avait des listes très courtes hein, d'ingrédients de, de, dedans. Euh, et, et on consommait. Et, et là, c'est un petit clin d'œil à cette période de confinement qu'on a qu'on a qu'on a connue, qu'on a tous connue. On consommait au jour le jour. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'on on préparait son repas. Quasiment en descendant le matin, on allait faire ses courses chez son boucher, son fromager, chez son poissonnier, et on faisait ses courses et on, on les mangeait tout de suite. On mettait pas, comme on le fait aujourd'hui, euh, nos produits dans le fond du frigo. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, on se dit, mince, euh, on a acheté ça, euh, la, la, la date est, et, et va, va passer, tout ça. Donc on, on, génère, on génère du plastique com complètement inutilement. Euh, et et c'est un message, alors les, les jeunes générations commencent à en être convaincus, mais... Faut, faut, faut bien se dire que tout, tout ça c'est simple. Si on si on s'y met tous, hein, si on arrête de, 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 de demander euh, une DLC longue euh, à un produit, euh, ben voilà, la, la liste des, des ingrédients, elle sera de fait plus courte hein, parce que c'est extrêmement simple de faire un produit brut euh, qui se conserve. Normalement, hein, euh, euh, quelques jours. Euh, voilà, et on n'a pas besoin de rajouter d'additifs, de conservateurs, de texturants. De, voilà, la, la, la liste est longue. Euh, et on n'a pas besoin de plastique non plus. Hein, euh, dans, chez JC David, il y a 50 ans, on, on emballait tout, tout les, tous les produits avec du, avec du papier. Hein, et je ne demande qu'une chose c'est de recommencer. Aujourd'hui, j'ai calculé j'ai 41% de mes produits qui sortent sans plastique. Je rêve, et c'était notre, notre mission en 2020 c'est d'augmenter nettement au-dessus des 50%. Bon, le Covid est passé par là, on nous demande de la sécurité sanitaire, ainsi de suite, donc là, le plastique est quand même très, très, très bien pour ça. Mais euh, voilà, c'est extrêmement simple. Si, si on arrête tous de, 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 de passer du temps à aller chercher, euh, une fois tous les 15 jours, des produits euh, qui ont une durée de vie super longue parce que c'est rassurant, et ainsi de suite, bah, voilà, ça, ça, ça sera plus simple. Et, et qu'on ne me dise pas euh, qu'on n'a pas le temps. Je rappelle que dans les années 70, le temps de travail était de 40 heures. <laughs> Maintenant, il est de 30 heures. 35 heures, en faisant le calcul tout simple, c'est une, une heure par jour voilà, qu'on pourrait destiner à aller faire nos courses en bas de chez soi hein, et, et toutes ces filières dont vous parlez régulièrement chez ces sublimaires euh, le, 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 petit, le petit commerçant le petit producteur, ainsi de suite bah, tout, tout revit, tout il n'y a pas besoin de faire des grandes euh, politiques de développement et autres, pas besoin de taxer le plastique pas besoin, voilà, tout, tout se tout réenclenchera dans le bon sens et, et le... Voilà, la recette, la recette, on l'a tous. Voilà, encore faut-il que le consommateur, parce que c'est le consommateur qui donnera le hein, C'est euh, ce qu'on voit dans, dans certains rayons euh, qui sont mis à mal parce qu'on cherche le produit qui a la plus longue DLC et qui est au fond, euh, parce que ceux qui sont les DLC plus courtes, ben, ont, été mis, ont été mis devant. Bah, voilà, c'est celui qui fait son rayon, bah, il se dit, bah, voilà, si je pouvais avoir une huit jours de plus, euh, quitte à mettre des produits dedans pas, pas très propres, euh, bah, voilà, c'est, je préfère, voilà. Donc le, le côté militantisme, voilà, c'est euh, consommons ce qu'on, qu enfin, très, de façon très, très rapide tout ce qu'on achète, et ce sera beaucoup mieux pour nous tous et pour la planète. Oui, alors effectivement, euh, le, le, je lisais un article il n'y a pas longtemps sur un bouquin qui vient de sortir et qui a été écrit par euh, Nathalie Courant et euh, qui met plastique euh, l'emballement. Euh, Effectivement, le plastique est arrivé dans les années 50 et il nous a rendu un grand, grand service. Il ne faut pas, pas l'oublier pour la conservation des aliments, pour les transports et tout ça. Elle a une théorie qui est assez simple c'est de dire qu'il faut s'en affranchir tout doucement. On ne peut pas du jour au lendemain vider les océans de tous les plastiques qui y traînent. De toute façon, les nanoparticules et les particules de plastique y sont. Vous connaissez certainement le problème, enfin tu dois connaître le problème avec les poissons. On a peur parfois de se faire un poisson qui sort de l'eau. Ça devient, ça devient dramatique. Et je pense qu'il faut simplement imaginer dans la conception de nos produits de s'en affranchir tout doucement. Mais on peut pas du jour au lendemain, d'abord les industriels n'ont pas toujours les bonnes recettes, nous on essaie de s'affranchir de nos complexes aluminisés qui sont pris en sandwich, c'est une vraie saloperie, puisque pour les retraités après, on a beaucoup de soucis. Euh, il y a des entreprises qui cherchent maintenant euh, des moyens pour pouvoir séparer les différents plastiques, mais est, on n'est qu'au balbutiement, et s'en affranchir, ça devient compliqué. On utilise des boîtes maintenant, on, on va vers le, le, le fer, qui est recyclable et qui se recycle très bien, à 80, 75% euh, d'autres produits, c'est moins le cas. Et je, et je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, il faut vouloir bien faire les choses sans précipitation. Euh, on a besoin encore, et comme tu disais, c'est vrai qu'on a de très mauvaises habitudes. Le café moulu, euh, c'est 12 mois. Le café en grain, c'est 18 mois. Mais si tu vas en face à la Grand Place pour un paquet de café, moi je ne te le mets pas sous vide. Je vais te le mettre en grain dans un paquet hermétique. Mais je te conseille de le consommer dans les deux mois. Sinon, il va s'oxyder. Mais tu auras la fraîcheur. Voilà, il faut effectivement acheter de ce dont on a besoin et pas vouloir en vouloir de trop. Quoi. La praticité et puis d'un côté, le goût et la qualité du produit. Pour, pour rebondir et, et, et illustrer un peu, peut-être aussi. Moi, il y a aussi un, un besoin de cohérence dans tout ça. Je, je te rejoins Pierre, on, on, est, on est sur des phases de changement, on ne les fera pas du jour au lendemain en claquant des doigts et, et on en est tous conscients. Euh, quand, quand je parle de cohérence, c'est euh, notre beau monde de l'agroalimentaire euh, et, et, et sa norme. On ne sait plus très bien si à un moment donné on a les enjeux de responsabilité, notamment environnemental, qui prévalent sur la santé, sécurité alimentaire. Euh, techniquement, j'ai aucun souci à remettre un fromage à nu dans euh, la boîte tupéroire pour pas le citer, euh, de mon client qui vient euh, euh, me dire je veux plus d'emballage et je veux pas en mettre. Légalement, c'est interdit. Légalement, j'ai pas le droit. Alors après, on va me dire, vous n'êtes pas militant, bah c'est pas que je ne suis pas militant, c'est que je veux juste pas aller en prison parce que demain, s'il y a un pépin dans la fameuse boîte euh, sanitairement parlant, c'est OK, la conséquence à court terme me revenant, mais c'est toute la filière. C'est-à-dire qu'en amont, aujourd'hui, avec les, les, tous les enjeux de traçabilité qu'on qu connaît tous et qu'on maîtrise un peu, euh, on sait très bien que ça peut être parfois des dizaines, des centaines, des milliers de tonnes qui vont être détruites, potentiellement des entreprises qui vont passer au travers, parce qu'avec le délai nécessaire entre... Le rappel-retrait de précaution et la conclusion que finalement c'était pas le produit en amont qui avait posé problème, mais juste la boîte de prise de contact qui a eu une contamination croisée, bah on a pu détruire des PME au passage, des emplois, des savoir-faire et des compétences. Alors est-ce qu est -ce que c'est être responsable ou irresponsable de ne pas l'accepter ou de l'accepter, euh, la question est quand même difficilement posée. Moi, j'aimerais juste qu'on ait un peu de cohérence dans tout ça, et, et je trouve qu'on a parfois des, tests, des textes législatifs dans notre beau pays qui aiment bien les empiler, euh, qui ont un peu de mal à cohabiter. Et, et ça, c'est un des vrais enjeux pour que demain on puisse avancer sereinement. Parce que je pense que tous autour de la table, on est tous des, des entrepreneurs et on a nos équipes qui n'attendent que ça, à un moment donné, d'être cohérent avec tout ça. Faut-il encore qu'on ait le droit de le faire Je pense que la, le consommateur va nous y pousser plus vite qu'on ne pense. En fait, c'est-à-dire que le moteur, le moteur ne sera pas forcément dans les entreprises. Le moteur, ça sera la, c est, c est le public qui vote. Donc, et donc quand le c'est ça, et quand le public a voté, eh ben le, la, la migration est en cours. C'est-à-dire qu'effectivement, le, le, le plastique euh, est en train, euh, dans les esprits des consommateurs, de, de de vivre, non pas sa fin, parce que ça va prendre des décennies avant qu'il disparaisse totalement. Euh, et encore faut-il qu'il y ait des solutions. Mais euh, il, il va commencer effectivement à être un frein à la vente sur certains sujets parce que le consommateur n'achètera plus et donc les industriels ou les producteurs vont devoir revoir un peu leurs copies et donc tout va se mettre en mouvement. Mais c'est l'émotion en fait encore une fois qui va faire avancer le sujet, c'est-à-dire qu'on a ému le, 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 finalement le peuple avec le risque du plastique pour qu'il en prenne conscience et qu'il se mette en mouvement. Et c'est pas c'est pas la science c'est pas le c'est pas c'est pas l'explication de comment on fait le plastique comment pour quelles sont les raisons positives ou négatives du plastique qui amène le consommateur à, à changer c'est simplement son émotion c'est pour ça aussi qu'on peut avoir des DLUO au très long aujourd'hui sur certains produits alors que finalement la réalité c'est on aimerait bien le manger frais quoi tout simplement donc euh, mais pour l'instant comme on n'a pas encore ému le consommateur sur cet aspect de la DLUO au long ben globalement il accepte cette DLUO au long donc le plastique, effectivement, est amené à avoir des, des mouvances sur son utilisation et trouver des, des, des moyens d'être recyclé. Dans notre univers brassicole, on n'a pas trop de plastique finalement, parce qu'on est de manière historique pour tenir la pression de la bière dans des dans des contenants en verre. Et le verre, effectivement, se recycle assez bien et fait partie des matériaux qui sont quasiment les plus recyclés en France. Et on atteint quelque chose comme 76 ou 77 de recyclage, ce qui veut dire que quand même toutes le, tout les bouteilles qui sont produites ne retournent pas en calcin pour être refondues et refaire des bouteilles. Il y a quand même une déperdition dans la nature qui est non négligeable et qui doit encore être... Euh, développé par, euh, par les pouvoirs publics sur euh, la sensibilité au recyclage et ce genre de choses après on a des enjeux de notre côté qui sont euh, sur le réemploi euh, on parlait de consigne ou le réemploi c'est deux choses un petit peu différentes mais la consigne par exemple là, au sein de la brasserie on ne l'a jamais quitté, on est une brasserie qui a 90 ans, donc la consigne c'est le principe de la bouteille part dans un lieu et va revenir à la brasserie pour être nettoyée et pour pouvoir euh, avoir une, un second cycle et, et à chaque fois qu'elle reviendra à la brasserie elle pourra générer un cycle. Et ensuite, il y a la notion du réemploi, c'est de se dire bah, des bouteilles qui sont faites dans d'autres univers peuvent être éventuellement réutilisées ou réutilisables en l'état sans forcément être broyées et refondues pour être remises sous une forme quelconque de bouteille. Et ça, c'est des vrais chantiers qui, pour, pour l'entreprise, bah, on va dire l'univers des liquides est important et l'univers de la brasserie en tant que tel également. Donc nous, on a connu cette, cette époque où on livrait aux porte-à-porte l'ensemble de nos clients, M. Dupont, Mme Durand, à la semaine, à la quinzaine, au mois. Euh, on déposait la caisse euh, en bois il y, y a très longtemps, en plastique après, hein, euh, avec des bouteilles qu'on récupérait, qu'on lavait, qu'on retournait. Donc ça, c'est un univers qu'on qu a connu et c'est un savoir-faire qu'on a encore au sein de la brasserie, mais qui d'année en année euh, se, se, se réduit parce qu'effectivement, comme tu disais à juste titre, Pierre, bah, on perd nos clients hein, qui ont connu cette partie-là, puisqu'ils vieillissent avec le process. Quoi. donc, euh, <laughs> donc euh, Mais, mais c'est quelque chose qui est, qui est encore bien connu, qui fonctionne encore un petit peu mais qui n'est plus aujourd'hui euh, en, en grande voie et après il y a un dernier univers euh, qui a du sens également pour nous sur ça c'est le vrac en fait c'est de se dire comment euh, finalement on minimise les emballages primaires euh, pour pouvoir finalement à partir d'un emballage primaire plus conséquent pouvoir alors, alors c'est le principe du, du Bac en plastique, du tuperroir, hein, donc avec une bouteille euh, que le consommateur peut avoir, qui doit garantir effectivement propre pour éviter euh, toute contamination ou toute altération du produit et qui nous disent pas derrière le produit n'était pas bon, alors qu'en fait c'est le contenant qui a fait évoluer et altérer le, la bière, euh, mais qui sont effectivement des chantiers d'aujourd'hui de, déjà et de demain euh, parce qu'il ben, y a un besoin, il y a un réel besoin autour de cet univers de, de l'emballage. Le réseau de la consigne, c'est des méthodes aussi qu'on trouve dans d'autres pays où il y a une obligation de consigne dans, dans certains pays. J'ai euh, passé un peu de temps de ma vie au Canada où, où on devait, euh, voilà, il y a même toute une économie qui se crée autour de ça puisque c'est même les voilà les, les personnes en plus grande difficulté qui vont ramasser chez les uns et chez les autres l'ensemble des bouteilles en verre, voire même euh, en, en, en plastique et qui vont euh, finalement trouver leur euh, leur revenus à travers le fait de les remettre en consigne et de récupérer la valeur de la consigne. C'est quelque chose qui, 76% c'est à la fois énorme, quand tu nous dis c'est un super ratio, et pour autant on saurait l'améliorer d'après toi si on généralisait finalement le, la logique de la consigne, on va dire de manière plus institutionnalisée, ou est-ce que finalement à la sortie notre système il fonctionne relativement bien, il est peut-être différent, peut-être moins visible, mais tout aussi efficace alors le, le principe de la consigne, c'est du local en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas généraliser la consigne au niveau de la France parce qu'on considère que la consigne devient intéressante et environ, environnementalement propre quelque part dans un, raison, dans un réseau de 300 km à peu près. Ce qui veut dire que si on envoie des bouteilles de chti à Marseille, ben on comprend tout de suite que le retour du coup, par rapport à un cycle carbone de refonte, de récupération de la bouteille dans un cycle naturel de broyage et de de refonte. Euh, n'est pas intéressant. Euh, donc il n'y a pas une réponse, en fait. C'est ça qui est, qui, est, qui est important dans, dans l'approche. C'est-à-dire que la consigne peut être une, une approche locale avec des clients euh, locaux euh, sur des brasseries. Euh, et c'est pour ça qu'au niveau belgique, ça fonctionne très bien parce que le, le territoire est petit. En Allemagne, ça fonctionne par des landeurs ou par des... Ils sont quand même fortement euh, en région et, et, et donc les brasseries alimentent quelques, quelques villes. Ce qu'on n'a pas ici, c'est-à-dire que le, le consommateur aime avoir sa bière qui peut venir de, du nord, d'Alsace, de Bretagne, du sud-ouest, de l'est, peu importe. Et donc, euh, c'est compliqué d'imaginer un, un modèle type. Par contre, euh, qu'il puisse y avoir du réemploi sur des bouteilles qui sont à peu près équivalentes, euh, qu'il puisse y avoir une, une meilleure récupération encore que, que ce qu'on fait aujourd'hui, moi ça me désole toujours de voir que le verre on retrouve, ou il puisse y avoir des bouteilles, qu'elles soient de vin ou de bière, qui soient jetées sur le bord des champs, euh, alors qu'il y a des bennes à verre partout. Ça, ça me désole totalement. C'est un matériel inerte, donc ça ne va rien transmettre au champ. Mais si on le mettait dans la benne à averse, ça ne coûte pas plus cher et ça peut effectivement contribuer à la, à la vie de la société. Quoi. On, va, euh, on va passer à un autre sujet qui est, euh, qui est en fait vos engagements, vos ambitions. Euh, vous m'aviez répondu pour, euh, pour 2021, 2022. Euh, je voudrais qu'on se projette en 2040 et que vous me parliez de votre secteur en 2040. Où vous le voyez, avec toutes les contraintes hein, que, que, que vous m'exprimez. Où vous voyez votre secteur Comment euh, Pierre, par exemple, euh, voilà, pour euh, les marques industrielles C'est la patate chaude. Hein. Celle-là, je l'avais pas mis dans le texte. <laughs> Alors voilà, on est en 2040, on a vécu 20 pandémies. Enfin, non, il ne faut pas rigoler avec ça. Mais euh, oui, euh, c'est difficile de, de se projeter euh, si loin, surtout en ce moment, je trouve. Et euh, oui, euh, l'innovation, ça a toujours été chez Méo aussi euh, euh, centrale. Euh, on se repose évidemment sur une expérience, un savoir-faire. On a toujours essayé de faire mieux que ce qu'on faisait et d'explorer différentes façons de sourcing et puis aussi d'améliorer les recettes de nos produits et de valoriser la filière donc là simplement pour parler de l'année prochaine déjà on va changer nous nos visuels de paquet on a un projet pour mieux coller à la à l'identité de la marque, donc on, je pense qu'on a trouvé les voies qui vont qui vont permettre d'être en conformité avec ce que représente la marque méo Toi tu connais déjà, mais on se tait là-dessus. Enfin, il y a un petit logo qui est déjà installé là, on peut le voir. On a changé un petit peu l'identité, et puis après, bah nous, ce qu'on veut surtout développer aussi, c'est de nouveaux produits, euh, euh, aller plus loin dans la dans l'utilisation du café. Euh, on, par exemple, on, on parle beaucoup de boissons euh, énergisantes, mais on peut, nous, faire une boisson énergisante euh, toute simple, avec de l'eau et du café, sans affiche nutritionnelle, euh, qui est le colbrou. Alors évidemment, euh, peut-être que vous ne le savez pas, mais plus le temps d'extraction euh, du café est court, moins il y a de taux de caféine. Autrement dit, un café serré à l'expresso, c'est le café qui contient le moins de caféine. Si par contre vous faites infuser un café à froid, hein, donc de l'eau froide avec du café dans le frigo pendant 8 à 12 heures, là, vous obtenez un shoot. Pas besoin de la marque, vous savez, énergisant, qui rajoute de la taurine. Non, simplement du café et de l'eau. Et vous aurez vraiment quelque chose qui est même costaud. J'en ai fait l'expérience. Alors après, on peut le mettre aussi dans une pompe à bière, ce qui est intéressant, puisqu'on fait ce qu'on appelle après un nitro. On arrive à avoir une petite mousse. Ça ressemble un petit peu à une une bière brune, une stout. Une stout, voilà, c'est ça. Et voilà, on travaille aussi avec une société qui est Lactinov. On essaie de trouver aussi des recettes à base de lait. Notre recette, toujours avec ce qu'on aime et comment on met en avant le café. C'est toujours compliqué. Même avec euh, les fameux chicorées euh, Leroux, par exemple, on a toujours essayé de faire des mariages, mais il y a toujours des, des, finalement des querelles de, de chapelle, parce qu'on veut mettre plus de café, que lui veut mettre plus de chicorée, qu'on voudra mettre plus de lait, et, et, et nous plus de café. Mais peu importe, ce qui est toujours intéressant, c'est d'explorer ces voies, et toujours d'aller vers des produits ben, qui pourront séduire euh, euh, de nouveaux consommateurs, et amener les consommateurs à euh, le café de demain. Il y a des gens qui n'aiment pas le café. Ce matin, j'en ai fait l'expérience avec deux étudiants dans Cuisine Mode d'Emploi, la cuisine donc, que le met en place, le réseau que met en place Monsieur Thierry Marx, Thierry -Marx pour, pour développer des emplois. Deux n'aimaient pas le café, j'aurais simplement demandé de goûter le colbrou. On a commencé un petit colbrou, ils ont goûté, ils se sont dit « mais ce n'est pas comme, comme d'habitude ». Je n'ai pas mon référentiel, j'aime pas le café, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc je, voilà, se projeter maintenant, euh, oui, c'est toujours essayer d'aller plus loin euh, dans l'utilisation du produit et, et de lui donner euh, des lettres de noblesse avec une signature. Mais oh, au, notre recette, elle ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais elle rencontrera, à mon avis, quelques, quelques amateurs, parce qu'on se fera fort de bien le faire. Surtout que vous, allez accomp vous accompagnez le consommateur à utiliser le café de la manière dont il le souhaite en fait, et de pas lui imposer de boire un, juste un ex. Non, non, il faut pas l'imposer. Ce matin, on me disait, oui, on peut pas mettre de sucre dans le café. Non, j'ai dit, c'est pas vrai. Si vous l'aimez avec du sucre, vous prenez avec du sucre. Si vous l'aimez avec du lait, vous le prenez avec du lait. On, on a tous des habitudes. Ce qu'il faut, c'est que la base soit bonne, et, et, et après, on l'accommode comme on le souhaite. On peut même le cuisiner. Et on peut le... Mon 2021 ou 2040 <laughs> Je vais essayer de répondre à 2040, c'était la question de départ. Et tu... bon, déjà, on aura pris un coup de vieux quand même. <laughs> C'est déjà le premier morceau. <laughs> J'aurai tous, en... tous les enfants autour de moi. En <laughs> <laughs> 2040, moi, je... Je... pour le fromage, je reste convaincu qu'on le consommera euh... mieux, au sens euh, moins mais mieux. On a, on a déjà cette tendance-là et je pense qu'elle s'accélère. On, 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 on a un peu épuisé le fameux, la fameuse place du fromage alors, où on était le 14e ou 15e mai du menu de repas de mariage de, de nos arrière-grands-parents. Et pour le petit clin d'œil, je vous rappelle qu'à l'époque, on disait entre la poire et le fromage et pas l'inverse, parce que le fromage arrivait après les fruits, donc après le gâteau, c'était vraiment le dernier des derniers. Et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de, beaucoup de pays dans le monde qui le consomment plutôt avec des spiritueux d'ailleurs qu'avec qu un vin de manière très classique, ou en tout cas comme on a l'habitude de, de le consommer en France. Mais par contre, on lui trouve aujourd'hui une place qui peut être aussi bien en entrée, en casse-croûte. Euh, en plat principal, toujours dans ce, cette place à, à, avant les mets sucrés, à la place des mets sucrés pour certains. Euh, on, a, on, 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 on va plus être dans l'expérience, je pense, dans la précision. J'ose croire qu'il y aura de la culture et une volonté de connaissance, de comprendre, d'aller plus loin. On, on s'aperçoit dans notre phase de, 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 de partage de culture dès aujourd'hui. On a des débats, allez, je, 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 vais, je vais trahir un, un, un demi-secret. Un demi on a des débats avec mon cher papa parce que euh, on, 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 papa a mené pendant de nombreuses années des conférences fromage et boisson. Euh, il a dû en, en animer plus d'un du, plus millier euh, sur toute sa carrière professionnelle. Et euh, pour lui, il n'y a qu'un format possible et imaginable pour parler du fromage, c'est de repartir avec les cinq plateaux qui s'enchaînent, qu'on ait au moins 20 ou 25 sortes, qu'on comprenne bien la diversité ou pédagogiquement c'est effectivement enfin c'est hyper pertinent par contre en l'espace de 40 ans moi, le premier, je ne vais plus au bout de la conférence où j'ai goûté mes 25 morceaux parce que j'ai mis le pain qui va avec en face et puis je, je, je sature. Mon palais est plus capable et on consomme moins tout court. On a besoin de moins de mètres d'énergie dans la machine humaine et donc on évite bokeh. Eh bien, euh, voilà, on arrive à des choses aujourd'hui où on a des conférences très précises où on va avoir une variété, on va rentrer dans le détail de cette variété associée avec une boisson et pourquoi celle-là et on va vivre l'expérience, l'émotion, enfin ce dont on parle depuis tout à l'heure. Donc on va être vraiment dans la précision là-dessus. Je pense qu'on continuera de consommer des fromages et j'espère qu'on les consommera mieux et avec plus de connaissances. Merci. C'est dur 2040 hein, comme question, mais je vais, je vais, je vais, je vais répondre euh, en disant que en 2040, Boulogne-sur-Mer sera la French Riviera. <laughs> française. <laughs> Donc euh, au-delà, au de on, on ne sait pas hein, ce que sera 2040. Ce que, ce que j'espère, c'est euh, que notre travail à tous euh, sur la tradition, sur le savoir-faire, sur... Euh L'explication aux jeunes générations que, au delà d'une de, histoire, c'est aussi des, des superbes qualités de produits. Quand je vois cette, cette mimolette qu'on a en face de nous avec plein de trous, un jeune dira ouais, C'est dégueulasse, c'est plein, plein de bestioles. Moi, 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 ce que je dirais, c'est. Ce que je dirais, c'est que c'est avant tout, euh, c'est le meilleur médicament qu'on qu ait euh, à, no, à notre disposition. Hein. C'est plein de, je te laisserai parler de toutes les qualités, effectivement, de ce que de ce que ce produit peut avoir. Euh, mais euh, en, en mangeant un produit comme ça, on ne va plus voir le médecin. Hein. C'est-à-dire qu'on on, on a besoin, notre corps, il a besoin de bouger, on a besoin de faire du sport, on a besoin de manger des produits, mais des produits. Qui, qui, qui nous apporte quelque chose pour pour notre santé. C'est pas uniquement on ne fait pas que se nourrir pour... Euh pour, pour grossir pour, hein, ou pour prendre du plaisir, mais c'est voilà, c'est tous ces produits naturels euh, ont, ont t tellement de qualité. Je dirais le hareng c'est très très bon contre le Covid. C'est plein, plein de vitamines D, de, de méga 3, euh, Voilà tout ça, faut, faut pas l'oublier, que c'est euh, ces produits traditionnels, c'est une histoire et ainsi de suite, mais c'est de la qualité. Et quand on entend parler de fromage chanté, d'omelette sans œufs, de, de voilà, de, 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 de bière, de bière sans orge, voilà. Euh, ça, ça fait peur. Et oui, oui, on, on saura synthétiser un certain nombre de de de, de, de qualités à des à, 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 à des produits, mais on, on va passer à côté d'une d'une aventure que nous, enfin, d'une expérience de d'un savoir-faire que nous ont laissé les générations passées et qui, au-delà de cette transformation de, de, enfin, de tous ces phénomènes climatiques auxquels on assiste, si, si en plus on ne reste pas droit dans nos bottes sur des, des, les vraies valeurs, ce qui a fait notre, notre, notre vie à tous. Hein. Euh, voilà, euh, pff, ça, va être, ça va être difficile. Voilà. Donc, euh, de, 2040, je ne sais pas. De, 2021, bon, on va essayer d'être encore meilleur hein, que, que, que 2020. Euh, voilà, c'est la, la, la qualité avant tout. Il faut toujours chercher à être meilleur et voilà, être convaincu que ce qu'on fait, c'est vraiment euh, très, très bon pour nous et pour les générations futures. Voilà. l'exercice de se projeter hein. 2040 20 ans d'expérience en plus déjà donc euh, ben, un savoir-faire encore agrandi euh, j'espère encore une équipe à mes côtés avec un vrai savoir-faire et une passion intacte pour les ceux qui viennent de rentrer parce qu'effectivement comme tu disais Philippe ce qui est important c'est que les générations qui rentrent aujourd'hui ben, puissent accompagner le, le développement et le projet de, de cette entreprise le plus longtemps possible euh, une bonne nouvelle, il y aura encore de la bière. En 20 ans, on n'en viendra pas à bout, hein, avec une histoire de plus de 8000 ans euh, pour, pour arriver euh, à, à faire de la bière. Donc euh, même si on passe euh, 20 mauvaises années, euh, la bière euh, sera encore euh, une boisson euh, consommée. Elle restera euh, dans l'esprit euh, festif et convivial euh, de tout un chacun et on s'inscrira dans ces moments de convivialité parce que c'est un peu dans notre ADN que d'être là aussi au moment où on a besoin, le, le corps a besoin de nourriture de, 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 de l'assiette, du verre, mais aussi besoin de la nourriture d'esprit, et ça on la trouve que quand on crée des moments d'échange, comme cet après-midi par exemple, et, et autour d'un verre de bière, il ben, y, y a des moments très créatifs, euh, et il, faut, il faudra pouvoir les entretenir, et, et en tout cas on aura à cœur d'y être. Et puis ben, pour répondre sur 2021, ben, j'espère que 2021, 2021 sera une meilleure année que 2020 déjà puisqu'elle sera vite à oublier. Dans ces moments de convivialité dont on a été privé bien trop souvent euh, depuis quelques mois. Et puis euh, toujours en essayant de répondre par la qualité et euh, des produits qui ont du sens. C'est-à-dire que dans nos gammes de produits, on revendique pour la gamme Ochti la tradition, le savoir-faire, la garde, l'infusion. Euh, on va revendiquer pour la gamme Castellin des bières vieillies, éventuellement en barrique, qui vont, qui vont amener un sens euh, encore un peu plus poussé dans l'expression du, du consommateur pour pouvoir se retrouver dans ces univers un peu complexes complexe organoleptique et qui lui donneront du plaisir voilà voilà un beau programme pour 2021 et puis euh, ce sera déjà pas mal merci à tous les quatre pour euh, pour ces moments de partage et cette sincérité dans vos, vos propos l'honnêteté que vous avez et surtout l'humilité euh, que, que vous faites transparaître j'ai une dernière question où on a un public aussi, euh, peut-être de jeunes entrepreneurs, de tout âge, hein, mais des gens qui se lancent peut-être, peut-être à 20 ans, peut-être à 40. Et je voudrais qu'on se mette aussi, euh, parce que voilà, quand on est chef d'entreprise, on, on oublie un peu de, peut-être des difficultés du début, puisqu'on s'occupe des difficultés d'aujourd'hui, puisque la vie de chef d'entreprise est de gérer des difficultés, il hein, faut se le dire. Est-ce que vous avez un conseil pour ces euh, jeunes chefs d'entreprise qui sont, qui sont en train de se lancer, qui reprennent l'entreprise euh, voilà, dans le domaine agroalimentaire, bien sûr. Enfin, ce que, ce que tu disais tout à l'heure, euh, pour synthétiser, synthétiser ces débats, c'est l'humilité. Je pense que c'est, on, on voit souvent des jeunes arriver avec des super idées, mais <laughs> qui veulent re refaire le monde. Euh, voilà, c'est certes, c'est une. C'est très très bien d'avoir des, des idées et, et il faut garder ces grandes convictions intactes le plus longtemps possible. Mais euh, le, le monde a tourné avant qu'il qu n'arrive. Euh, et, et voilà, c'est une, une, une course au, au long cours. Hein, c'est un, un marathon. Euh, voilà, il faut, faut, faut garder cette humilité et se dire bah, voilà, est-ce que je suis vraiment le seul à avoir la, 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 meilleure, la meilleure idée euh, Voilà, c'est. Les, les, les bonnes idées, il y en a partout, et c'est souvent, euh, c'est en, en discutant, en écoutant. Hein, L'écoute est très très importante. En écoutant ce que ce que les, les vieux cons euh, savent faire, voilà, euh, qu'on qu qu infléchit un petit peu son projet et que ce projet effectivement euh, euh, ben, tiendra un peu plus longtemps que celui d'à côté qui, qui, est, qui est plus sûr de lui que voilà. Donc l'humilité, là aussi, c'est pour, certes, on se, se l'impose, mais c'est aussi une conviction parce que c'est un, un des meilleurs moyens de d'arriver. Humilité, euh, évidemment, il m'a, il m'a piqué le mot, mais c'est pas grave, je vais en trouver un autre. Euh, et, et, et persévérance. Euh, on, on est dans un monde de zapping. On a des générations qui ont, ont, ont connu, connaissent cette, cette logique de l'instantanéité de tout, l'instantanéité aussi dans les résultats, l'instantanéité dans, dans son évolution de carrière professionnelle, et on va aller au-delà des entrepreneurs. Mais, mais, mais la persévérance, je, je, je pense que c'est une vertu, c'est une valeur qui demain va être de plus en plus attendue par nos clients. Euh, parce que la persévérance, c'est de la constance. C'est euh, et, et, et cette constance, c'est finalement une certaine promesse qu'on donne. Et, et ça, ça va, hum, ça a été, c'était naturel chez nos, chez nos grands-parents et arrière-grands-parents, voire parents. Euh, ça l'est peut-être un peu moins aujourd'hui. Et je, je suis intimement persuadé que pour durer, la persévérance euh, pour un entrepreneur, ça sera essentiel demain. Bah écoute, euh, tu as tout. Tu as tout dit. Euh, je peux pas dire plus, mais c'est vrai. Cette instantanéité euh, de vouloir finalement réussir très vite, tout de suite. Euh, bon, on est envahi de ça, d'images de, de réussite, de blogueuses, d'influenceurs, euh, très, très rapides, mais j'ai parfois des doutes sur leur bien-être. Euh, vanter les mérites d'une marque tous les jours pour gagner sa vie. Est-ce que ça a du sens J'en sais rien. En tout cas, je pense que, euh, effectivement, les jeunes doivent persévérer. Et, et s'ils ont une idée en tête, bah, qu'ils aillent jusqu'au bout, envers et contre tout. Ça, c'est important. Euh, moi, j'ai un, un fils qui est, qui, qui est un peu là-dedans. Et euh, bah, il y a fond dedans. Et malgré les écueils, il persévère. Et, et je suis assez fier de ça. Voilà. Que rajouter de plus hein, Mais oui, effectivement, c'est ça, c'est cette notion de résilience, finalement, euh, parce que des, notre métier est fait d'imprévus, d'impondérables, euh, de réactivité, parfois de surréactivité nécessaire. Euh, et, et tout ça ben, nécessite une, une énergie forte à entretenir. Donc le conseil que je lui donnerais peut-être, c'est aussi de prendre un peu de temps pour lui. Euh, D'entretenir sa flamme. Parce que s'il n'arrive pas à entretenir sa flamme, il n'arrivera pas à entretenir la flamme de son équipe et l'énergie de son équipe. Et il aura du mal, dans ce cas-là, à pouvoir faire décoller ou développer son entreprise. Voilà ce que je dirais. Bon bah C'est des, des mots sympas hein. énergie, humilité, persévérance, résilience. Moi, je trouve que vous êtes tous les quatre des faiseurs. Vous êtes des, des, des hommes qui font les choses, qui. Qui, qui sont remplis d'humilité parce que vous exprimez euh, voilà, ce que vous faites, ce que vous faites de bien, de bon. Euh, on a confiance en vos marques parce que vous travaillez bien. Et, euh, et voilà, je retiens que vous êtes vraiment des faiseurs. Et, euh, et il faut des pionniers il faut des, des marques militantes en qui on a envie de croire et, euh, pour, pour qu'on arrive au moins jusqu'en 2040. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vais me permettre de rajouter une petite chose à l'aude. Euh, simplement, on est peut-être des faiseurs, on prend du plaisir à être des faiseurs, mais on n'est pas seul. Et pour conclure, moi j'aimerais bien qu'on qu puisse récompenser, en tout cas remercier les équipes qui nous entourent. Je pense que tout un chacun, euh, on se sent fortement soutenu et c'est probablement l'une des plus belles réussites de nos entreprises, c'est d'avoir des équipes qui les font tourner euh, et qui portent nos projets euh, avec au moins autant d'engagement que nous. Et ça, on peut, on peut leur dire merci tous les jours. Ouais, on ne sera rien sans nos équipes. Ça, je vous, je vous le confirme. N'hésitez pas à, à contacter les entreprises qui, qui étaient avec nous ce jour si vous souhaitez leur poser des questions. On vous laissera euh, donc, euh, les mails et les contacts de ces quatre chefs d'entreprise et entrepreneurs qui sont avant tout des hommes, comme, euh, comme vous avez pu le voir, accessibles. Merci beaucoup à tous les quatre pour euh, cet après-midi. Et à bientôt